Salut, salut. Euh, je fais ce direct pour donner mon avis sur les guerres entre les gars de la base, les patriotes. Voilà. Tout à l'heure, vous avez vu, j'étais au bar et. Tout à l'heure, vous avez vu, j'étais au bar, mais voilà. Après, moi, les bars, c'est pour quelques temps. Après, euh... Euh, je. Rentre là, je suis chez un ami et tout ça. Voilà, j'ai envie de donner mon avis sur les guerres qui se passent entre les membres de la basse et les patriotes. Donc, j'ai envie de vous expliquer un tout petit peu les choses que j'ai pensé au début de, 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 de toutes ces soi-disant révolutions entre les Camerounais. Voilà, je vous avais déjà décrit euh, qui sont les Camerounais. Oh, bonsoir, Claudia. Bonsoir à Claudia, big up à Claudia Kaye et Teki, la marque, la marque de Facebook, la marque déposée, Claudia kai et Teki. Voilà, j'ai envie de parler un peu de la basse, parce que ce que nous voyons aujourd'hui dans la basse, chez les patriotes, reflète ce que je dis souvent sur les Camerounais. Il y avait déjà dit que les Camerounais ne peuvent rien faire ensemble. Et vous avez dit ça depuis le début, qu'il n'y a rien, que deux Camerounais ne peuvent pas. Deux Camerounais ne peuvent jamais se mettre ensemble sur quelque chose. Je vous avais déjà dit que diriger les Camerounais, il faut être fort. Bonsoir, ma foi Diriger les Camerounais, il faut être fort. Non, moi, j'ai observé ces, ces gens-là. J'ai observé les patriotes, j'ai observé la, la basse. J'avais moyen de décider depuis le début que je ne peux pas faire partie aucun groupe de Camerounais dont les Camerounais ne peuvent jamais rien faire jusqu'à ce qu'ils m'invitent. Et que j'en fasse partie. Et je ne vous encourage pas, d'ailleurs, d'être un membre. Vous savez que les Camerounais ne peuvent rien faire de sérieux. Regardez comment ils se font. Regardez les comportements des Camerounais. Nous avons été au début de Facebook dans la sensibilisation. non-sensibiliser les Camerounais. La politique, c'est pas une affaire. N'importe qui ne se lève pas le matin. Telle que N'importe qui ne peut pas se lever le matin et commencer à parler de politique, de changer de pays sans avoir certains, certaines connaissances. On ne peut pas. Les Camerounais pensent qu'on se lève le matin comme ça, on commence à dire qu'on veut le changement dans un pays. Les Camerounais pensent qu'on se lève le matin, on commence à dire qu'on est révolutionnaire. Certains ne connaissent même pas la différence entre un, entre un nativiste et un, un non-politique. Dans la discussion, il y a les histoires des nationalités dedans. Qui M'interpelle, moi qui ai des, ai des enfants avec les étrangers. Les camerounais disent que si ta mère est si tu as les enfants avec euh, avec une ivoirienne, si tu as les enfants avec une ivoirienne, on dit que les enfants là ne sont pas camerounais. J'ai tout vu, hein. Moi je vous dis que j'ai tout vu avec les camerounais dans cette histoire. Moi j'ai envie de les commenter Eric Afrique. Salut Eric Afrique. Je me rappelle quand on commençait les directs au début là, Eric Afrique, quand tous ces gens là n'existaient pas. Nous, on était dans les directs pour sensibiliser les Camerounais. Aujourd'hui, le, ils ont, ils ont euh, créé le tribalisme dans leurs histoires. Et regardez comment les Camerounais se comportent. Et regardez comment les Camerounais se mangent. Les gars-là se chopent entre eux, gars. C'est le changement du Cameroun que vous voulez comme ça. C'est le changement du Cameroun qui fait que vous vous mangez entre vous, comme ça. à vous, j'ai dit que... C'est le changement du Cameroun comme ça là. Non, vous ne voulez pas changer le Cameroun, gars. Donnez-moi une minute. une minute. Le changement du Cameroun, ça. Regardez la honte. Regardez. Les gens restent dans la diaspora et disent qu'on va changer le Cameroun. Regardez le comportement. Eric Afrique. Tu te rappelles quand nous, on a commencé à sensibiliser les Camerounais ici Ces gens n'existaient pas. Hein? On a commencé à faire des directs simplement pour sensibiliser les Camerounais et tout ça. Regardez tout ce qu'ils ont, qu ont fait naître dans la diaspora. N'importe qui est devenu politicien. Hein? Eric Afrique, je t'interpelle. Tu, tu te rappelles, il y a trois ans, quand tous ces gens n'existaient pas. Nous avons inspiré les Camerounais pour sensibiliser. Parce que la politique, ce n'est pas une affaire de tout le monde. Aujourd'hui, je regarde la basse. Je regarde comment ils s'insultent entre eux. Je regarde comment ils s'enregistrent. Salut à Angela Anke, ma personne. Je regarde comment les patriotes font la même chose. J'ai honte. Vous faites honte. Les Camerounais de la diaspora, vous faites honte. Vous faites honte aux Camerounais. Vous ne voulez aucun changement au Cameroun. Que ce soit à la basse ou les patriotes, là, vous ne voulez aucun changement. Il n'y a pas de changement que vous voulez au Cameroun. Vous n'êtes pas exemplaires. Hein? Vous n'êtes pas exemplaires. Regardez la basse. Vous n'êtes pas du tout exemplaire. Vous êtes la honte du Cameroun. Vous voulez changer quel pays Vous organisez les révolutions pour, pour vous faire de l'argent sur le dos des Camerounais Voilà le numéro. Si les gens veulent appeler, veulent participer à ce débat, essayez de partager, s'il vous plaît, partagez ça. Hein? Les gars que les gars ont poussé la malhonnêteté à un niveau pas possible. Comment est-ce que vous pouvez organiser, un soi-disant, une, une révolution pour escroquer vos frères Comment vous pouvez vous lever vous dire que je vais changer le Cameroun alors que vous, vous êtes seulement dans les histoires pour chercher les hommes À la base, il y a au moins 10 filles qui sont tombées enceintes. Elles ont trouvé l'occasion d'aller chercher les hommes. Chez les patriotes, c'est la même chose. Les injures, tout le mauvais comportement, c'est-à-dire que tout ce que vous montrez aux gens, ceux qui disent qu'ils supportent le gouvernement, c'est pareil. Mais vous êtes... C'est la honte, ça. C'est quoi, ça Mais parce qu'il y a... Il fallait que moi, là... Qui, qui ne suit pas, qui, qui suit pas dans vos histoires pour vous dire ça? Hein? Regardez la basse. Vous osez dire que vous voulez changer le Cameroun. Vous ouvrez votre bouche. Vous savez vous, vous, que vous, vous allumez votre téléphone, vous dites qu'on veut changer le Cameroun avec ce que vous faites là. Mais vous faites honte à ce pays. Vous êtes de la honte. Regardez des vieilles femmes comme ça, les cinquantenaires. Si on vous demande même de définir le mot politique, vous ne pouvez pas définir politique. Vous ne pouvez pas. Tu ne peux pas définir le, le mot politique. Tu ne peux pas définir activiste. Tu ne peux pas, si on te demande comment on fait pour qu'un pays change, tu n'as aucune idée, n'importe qui ne se lève pas. N'importe qui ne se lève pas, il commence à être politicien. La politique demande d'avoir un certain, un certain background. Je pense qu'il faut même avoir étudié un tout petit peu. De philosophie. Il faut savoir ce que c'est que la politique avant de la faire. Mais si j'ai honte, tous les directs des Camerounais aujourd'hui, vous avez déchiré un peuple. Vous avez déchiré les Camerounais. Heureusement, j'étais dans un bar tout à l'heure, vous avez vu que tout ce que vous avez créé n'a pas marché. Les Camerounais, ont, à cause de vos histoires de basse et de patriotes, les Camerounais n'arrivaient plus à se saluer. Heureusement que maintenant, ça a changé. Les Camerounais s'assoient encore ensemble dans les bas, ils, boient, ils ont compris que vous êtes des escrocs. Les Camerounais ont compris que vous êtes des escrocs. Vous êtes des vauriens. Hein les, Vous avez failli diviser les Camerounais dans la diaspora. Il y a des filles aujourd'hui qui ne pouvaient plus sortir avec un gars Bamileke à cause de vos bêtises. Il y a des filles qui ne pourraient plus sortir avec un gars... Vous, je dis que vous avez... C'est de la honte vos combat, merdique, là. Mon frère, a retourné travailler. Et, 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 et tout ceci, c'est le chômage. J'ai toujours dit que c'est le chômage, c'est le chômage qui pousse les Camerounais dans ces choses-là. Le chômage, les skokeries. On dit qu'il y a les gens qui ont porté 40 000 euros. Tu viens dire que tu vas changer le Cameroun. Tu viens taper ton, ton barat, le, tu viens baratiner les gens pour 40 000 euros. Baratiner, baratiner, les gens. Le pouvoir de Yaoundé là est bien assis, hein. N'imaginez pas un seul instant que vous allez, vous allez faire vos trucs de la diaspora, là, ça va toucher quelqu'un là-bas. Ce sont des gens qui sont cultivés. À Yaoundé, ce sont les gens qui ont étudié. Oui. Tu ne peux pas venir, tu ne connais rien dans la politique, tu commences à parler du président Paul Bia. Tu ne connais rien dans la politique. Ce sont des gens qui sont assis, ils savent très bien ce que c'est que la politique. Vous vous levez le matin, il dit que moi, j'ai Wanda moi, moi sur le, le comportement des Camerounais et de la diaspora. Vous avez failli diviser un peuple. Vous avez failli diviser les gens. Les Camerounais ont compris. Il y avait déjà les, les bas des Bamileke, les bas des Betty. Voilà ce que vous avez failli faire dans cette diaspora-là, à cause de vos conneries-là. Diviser un peuple, mettre le tribalisme à gauche et à droite. Hein? Moi, je vous avais dit que vos histoires, là, regardez, regardez ce que vous avez fait naître. Avec les personnages comme les gamins les gens qui ont, attisé, qui, ont, qui ont attisé la haine tribale, ça n'a pas marché. Parce que le peuple camerounais, gars, le peuple camerounais, l'homme camerounais n'est pas dans la division. Vous avez voulu amener ça, ça ne marche pas. Vous avez voulu diviser les camerounais, mais ça ne marche pas. Les filles, aujourd'hui, Continue de sortir entre elles. Ce que vous avez voulu faire là, diviser les Camerounais, ne marche pas. Il y a aujourd'hui les Camerounais qui ne peuvent pas acheter quelque chose à un, à un frais parce que. Vous avez fait que, aujourd'hui, dans la diaspora, les gens allaient boire les bières uniquement chez les Tontina, chez les Bamileke. Les gens allaient boire uniquement chez les Bétis. Voilà ce que vous avez failli faire. Même des gens. Qui ont des commerces aujourd'hui, qui ont des petites activités sur Facebook, ont vu leurs activités ralenties parce que la politique, votre politique de Facebook, votre politique de mendiant, votre politique de Mathieu Vu. Nous avons été là depuis pour sensibiliser, nous avons été là sur les réseaux sociaux pour sensibiliser les jeunes à aimer leur pays, pour sensibiliser les, les jeunes à, 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 à s'intéresser à la chose politique et non et, et jamais à la violence. Aujourd'hui, vous vous insultez. Je salue ici M. Austin Deboy. M. Deboy, je te salue. Si quelqu'un souhaite intervenir, qui lance l'appel Moi, je prends les appels. Je vais discuter avec des gens. Non, mais c'est incroyable. não nem é sei como Alô Tanta. Alô? Alô que um então de retour, je ne t'entends pas. Il n'y a pas de retour. Rappelle-moi. Je n'entends rien. J'ai regardé, regardé la bêtises là. Je n'ai pas voulu me mêler de ça. Mais vous... Tout ce que les, les gens, tout ce que les activistes ont, Camerounais ont voulu ramener, c'est la division. C'est la haine. Hein? Vous n'êtes pas outillé pour parler. C'est bon ou pas? On me dit le son. Oh là là. C'est bon ou pas? Vous m'entendez? Est-ce que c'est bon? Allô, allô, allô? C'est bon? Allô? allô 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 si vous m'entendez dites que oui s'il vous plaît est-ce que vous m'entendez vous m'entendez c'est bon c'est bon voilà euh, si vous vous m'entendez Voilà, donc je, je, je il faut, la, la diaspora camerounaise doit se... Moi j'invite les gens de la diaspora à se reconcentrer sur ses activités. Il faut que les gens de la diaspora que les gens se reconcentrent sur les activités. La politique, ceux qui veulent la faire, qui s'inscrivent, qu'ils qu 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 soient membres des partis politiques. Beaucoup de Camerounais sont entrés dans cette histoire parce qu'ils voulaient, ils voulaient se faire voir. Les gens sont. C'est-à-dire, pour avoir un nom, ils sont allés entrer dans les histoires de Bass et de patriotes, tout simplement pour se faire voir. Qu'est-ce que vous avez apporté Le bilan, c'est lequel Quel est le bilan Quel est votre bilan Qu'est-ce que vous avez ramené à la diaspora Vous avez ramené quoi Qu'est-ce que vous avez ramené Qu'est-ce que vous avez ramené Je vous pose la question dans vos histoires-là. Depuis deux ans, vous, ne, vous êtes en train de nuire l'environnement camerounais dans la diaspora avec vos histoires de politique. On a des problèmes. Mais on peut. Vous pouvez vous exprimer sans, 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 sans être des en guerre. On souhaite que la crise anglophone soit résolue. Nous avons au, été, au, nous avons été au, au début de cette crise anglophone. Nous avons été au début. Nous avons parlé, nous avons prôné la paix, nous avons invité les sécessionnistes à, à, à baisser les armes. Nous avons, ce n'est pas. C est, c est laisser un peu respirer le Cameroun. Laisser ce pays un peu respirer. Et moi je trouve ça tellement malhonnête parce que pendant que les anglophones, eux, ils réclamaient, pendant que les anglophones étaient dans leurs problèmes, c'est là où la base est venue aussi avoir un autre problème. C'est malhonnête. Parce que quelqu'un est là, il a son problème, il fait sa réclamation, toi aussi tu veux réclamer ta part. Après tu vois aussi d'autres groupes qui veulent réclamer leur part. Tous les Camerounais doivent se concentrer pour apporter des idées à, pour qu'on résolve la crise anglophone. Apportez vos idées pour que on, le Cameroun essaie de résoudre ce problème. Mais vous aussi, vous ramenez les vôtres. C'est devenu une histoire de chacun veut se faire voir. C'est devenu le Djangui. C'est devenu là où les femmes viennent chercher les hommes. C'est devenu une histoire de litige que chacun organise pour, pour demander l'argent. J'ai dit. Pourquoi est-ce que l'homme camerounais est toujours malhonnête comme ça là Dans chaque chose que les gens font, il faut que les gens viennent toujours là avec les histoires de qu'on cotise l'argent, il faut l'argent. Hein? Vous ne savez pas que pour avoir l'argent, on, on travaille, on fait des choses, on fait, on fait des vraies choses. Si tu veux l'argent, tu t'élèves, tu, tu travailles, tu fais quelque chose. Dans tout ce que le camerounais fait, il y a les histoires d'argent là-dedans. Dans tout, il y a les histoires d'argent. Moi je vous dis, il y a des jeunes camerounais qui veulent se battre, qui ont des activités, qui sont des hommes d'affaires, qui ont envie de travailler. Ils n'ont plus besoin de votre climat, de, 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 de votre climat de méchanceté là, votre climat de division. Il y a des camerounais qui sont des chefs d'entreprise, il y a des associations, il y a des camerounais qui ont envie d'être concentrés sur leurs activités. Ça a duré depuis 2018. Là, là, les élections présidentielles sont passées, laissez les gens respirer. L'élection présidentielle au Cameroun est terminée. Laissez les gens respirer ou laissez les politiciens continuer de faire ce qu'ils ont à faire. Laissez la... ne, 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 ne venez plus mettre la, le tribalisme dans, dans, dans cette diaspora-là. Ne venez plus avec le tribalisme dans la diaspora. Il y a des gens aujourd'hui qui ne peuvent plus partager mon direct par méchanceté, comme je ne les suis pas. Hein? Moi, je suis sur Facebook avant tous ces gens-là. Donc, il est hors de question que si les gens ne partagent pas mes directs, c'est tout simplement parce que, voilà, il y a le tribalisme là-dedans, il y a euh, la haine. Comme moi, je ne partage pas vos idées. Si vous n'êtes pas suffisamment outillé pour faire une révolution, vous vous laissez tranquille. Est-ce que vous savez ce que c'est que le pouvoir Est-ce que vous savez ce que c'est qu'une conservation du pouvoir Est-ce que vous savez ce que c'est que gouverner un pays Mais il faut, il faut savoir ce que c'est. La gouvernance, il faut savoir, est-ce que c'est facile de gouverner un pays comme le Cameroun Est-ce que c'est facile pour vous-même de changer de mentalité C'est facile pour vous Vous êtes des paresseux. C'est facile même pour vous de changer de mentalité. Vous êtes toujours là avec les histoires d'argent. C'est facile pour vous hein? Vous avez trouvé l'occasion de vous faire voir. Comme vous avez vu, Fleur de Lille était connue sur Internet. Chaque vieille chose. Chaque vieille chose qu'on ne connaissait pas a trouvé la base pour venir avoir le nom. Les autres ont trouvé les patriotes. Voilà l'issue. Mais nous, on n'était pas sur Facebook pour la politique. Nous, on était là parce que nous, on est dans la sensibilisation. Nous, on était là pour aider les gens, pour parler. On était les voix des sans-voix. Les Lolo Fonja, la Veuve Joyeuse, les euh, Fleurs de Lille, moi, on était sur Internet pour, n'est-ce pas, porter les problèmes des gens. On n'était pas là pour la politique. La plupart des vieilles, des conneries qui sont venues là comme ça dans les histoires de révolution. Hein? La plupart des vieilles choses. Donc vous êtes venus entrer dans les choses de politique pour qu'on vous voit, on voit, vos, on voit pour, qu on, pour, pour vous faire voir. Je vois des femmes qui ont 56 ans. Les femmes avaient 59 ans qui viennent oh, insulter les gens. Vous voulez le changement dans un pays avec des comportements comme ça vous voulez que le pays change avec des comportements comme ça, vous insultez les gens? Vous voulez questionner la nationalité des gens. C'est toujours dans les mêmes histoires -là que je vois dans la basse là. Je vois dans la basse les gens qui parlent de la nationalité de quelqu'un. Quelqu'un dont la mère, la mère de, de la personne est camerounaise, le père est, 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 est sénégalais. Vous dites qu'il n'est pas camerounais. Dans vos histoires là. Pourquoi vous sortez avec les Ivoiriens? Et c'est toujours vous qui avez les, qui a, Vous avez. Hein vous avez des enfants, enfants avec les Ivoiriens, les Congolais. Ces enfants sont camerounais ou pas Parce que c'est quelque chose qui m'interpelle ça. Parce que moi, j'ai enf un enfant. Mon premier fils, je l'ai eu avec une Guinéenne. Demain, vous allez discuter la nationalité de mon fils. Vous allez discuter la camerounité de, de mon enfant. Dans vos débats-là, les débats qui nuisent énormément des gens. Quelqu'un vous dit que sa mère sa est mère beau. Sa mère est camerounaise. C'est toujours vous, vous voulez quelqu'un Vous voulez quelqu ne savez pas que le Cameroun, aujourd'hui, est fait d'étrangers. Les enfants que vous accouchez, qu'on accouche dehors, avec les étrangers, ils sont camerounais ou pas Répondez-moi. Les enfants que vous faites avec les étrangers, là. Moi, j'ai trois enfants, les mamans ne sont pas des camerounaises. Donc demain, lorsque mon fils va parler du Cameroun, on va lui dire, qu est-ce qu'il est camerounais C'est ce que vous faites. Vous ne savez pas que on est déjà assez mélangé, là. S'il vous plaît, partagez mon direct. soyez pas ingrats, vous regardez ce direct, il est sucré, comme le tapioca avec le sucre. Partagez-moi ce direct-là. Arrêtez d'être des, des méchants. Voilà, je parle des choses sérieuses. J'ai dit dans vos discussions de la, de la diaspora, vous parlez de nationalité. Vos enfants sont, les enfants que vous avez là sont français, vos enfants sont américains, vos enfants sont anglais, vos enfants sont canadiens. Mais vous êtes camerounais, les enfants-là sont aussi camerounais. Mes trois enfants ont la nationalité française. Donc demain, lorsque mon fils va s'élever, il parle du Cameroun, vous allez dire qu'il n'est pas camerounais. Parce que sa maman n'est pas camerounaise, je vous demande. Hein. Parce qu'il y a un débat sur un membre de la base là que ça interpelle chaque Camerounais de la diaspora. Le débat sur un des Camerounais de la base là. Parce que sa mère, la mère du gars là, est camerounaise. C'est le père qui est sénégalais. Ce débat là, moi, je ne l'aime pas. Comme c'est les joueurs de la base et moi, je ne, je ne supporte pas la base. Mais ce sujet là m'interpelle. Une femme camerounaise. Qui a un enfant avec un Sénégalais, l'enfant là est Camerounais. D'accord Voilà. Une femme Camerounaise qui a l'enfant avec un Français, l'enfant là est Camerounais et franco-camerounais. Vos discussions des nationalités des gens là, moi ça me gave parce que mes enfants ont des nationalités étrangères, mais je suis Camerounais, ils sont aussi Camerounais. Donc ma fille, dont la mère est blanche et française, est Camerounaise et elle va hériter mes biens au Cameroun. Même cette guerre que vous faites à la France me fait rire. La guerre que vous faites à la France me fait rire parce que nos enfants qui portent la nationalité française vont hériter nos biens pour ceux qui ont des biens au Cameroun. Tu as fait l'enfant avec une blanche. L'enfant a la nationalité française. L'enfant là est. L'enfant là va venir au Cameroun hériter ta maison qui est là-bas avec la nationalité française. Sachez que le Cameroun est lié à la France, à d'autres pays. Parce que nous, là, nous sommes partis du Cameroun pour avoir des enfants avec des étrangers. Moi, je vous parle des choses très sérieuses. Parce que moi, ça m'interpelle. Moi, j'ai des enfants qui, ont, qui portent d'autres nationalités. Et je n'aime pas quand on dit à un Camerounais qui a un parent camerounais qui n'est pas camerounais. Je n'aime pas ça. Quand je regarde, c'est parce que ça concerne mon fils. Mon fils, la mère est, la mère est de Guinée équatoriale. Il est né en Espagne. Et il vit en France. Il a déjà la nationalité française. Demain, il va parler du Cameroun. On va lui dire que ne parle pas du Cameroun. Je vous pose la question, vous qui me regardez. Je vous demande que mon fils, dont la mère est de Guinée équatoriale, moi je suis camerounais. Et il a la nationalité française. Il est né en Espagne. Il va parler du Cameroun ou pas demain. Il peut être président au Cameroun ou pas. Je vous demande. Vous êtes dans ce direct. Vous participez avec moi. Et je veux, je veux avoir les réponses des gens. Quand vous êtes en train de discuter des nationalités des gens-là, vous, vous savez que vos enfants sont dans le même cas. Tu es en France, tes enfants ont porté la nationalité française. Tu es en train de parler à un autre Camerounais qui n'est pas Camerounais. Alors que tes propres enfants ont le passeport Bordeaux. Voilà autant de divisions que les gens ont dans cette diaspora-là. Voilà des problèmes. Moi, je vous demande que mon enfant, mon, mon enfant qui porte mon nom de famille et sommet, il est camerounais ou pas Mes amis, si vous ne répondez pas, moi, je coupe le direct parce que je fais le direct. Ce n'est pas un monologue. Je discute avec vous. Si quelqu'un veut participer, il me dit je le prends. Tous ces débats de la diaspora ont amené énormément de problèmes. Ces problèmes, toutes tous ces guerres de la diaspora ont divisé les gens, ont gâté les mariages. Beaucoup de gens se sont séparés à cause des histoires de la basse et des patriotes. Les gens ne se parlent plus aujourd'hui. Les gens ne regardent plus. Il y a des gens qui, qui étaient fans, qui étaient mes fans. J'ai perdu énormément. Moi, je, je suis le blogueur qui a le plus perdu dans ces choses. Moi, j'ai perdu parce que tous ces gens me suivaient. Tous ces gens me suivaient. Moi, j'étais là avec les Eric qui est là. Parce que Eric, c'est les gens qui étaient là au début. C'est les gens qui me suivaient. Aujourd'hui, il y a des gens qui, quand ils se connaissent sur Internet, ils veulent suivre un direct. Ils suivent les directs qui n'apportent rien. Regardez comment vous vous mangez entre vous. Et j'avais prédit ça. La base se bouffe entre elles. Les patriotes se mangent entre eux. Le Cameroun dans tout ça est où Où est le Cameroun dans tout ça Certaines personnes, même, disent qu'ils aiment le Cameroun et ils se sont mis à insulter les Bamilékés. On voit de tout. On voit de tout. Voilà un gars comme l'abbé Samé. Quelqu'un qui dit qu'il il veut le changement au Cameroun. Il faut voir ce qu'il passe son temps à faire, à lyncher les gens sur les réseaux sociaux. Voilà, je vais vous citer le nom des gens qui veulent le changement au Cameroun et leur comportement. L'abbé Samé veut que le Cameroun change et son travail consiste à, prendre, à être payé pour insulter les gens sur les réseaux sociaux. Voilà des gens, des personnes qui veulent que le pays change. Voilà, on lui donne l'argent, il, il se connecte à, 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 à 10 heures, au lieu de travailler, il se met à lécher les gens. Il y a encore d'autres personnes qui disent qu'ils veulent que le Cameroun change, il se met sur Internet, il insulte les boulots. Je veux que le pays change, il insulte les boulots, il insulte les bêtises, mais c'est lui qui veut que le Cameroun change. Voilà tous les sorciers, les gros vampires qui sont sur Internet qui veulent le changement. Tu veux qu'un pays change? Tu veux une certaine révolution, tu te mets, tu insultes une ethnie. Tu généralises. Voilà ce qu'ils font. Voilà le mal qu'ils font à la diaspora. Comme si c'est tous les bêtis qui mangeaient quelque chose dans ce pouvoir. Comme si c'est tous les boulots. Et voilà, tu as eu d'autres personnes qui disent qu'ils veulent que le Cameroun change. Quand il insulte les, les Bamileke de porc, des, des salles. Voilà les gens qui restent sur Internet, ils veulent que le pays change. Tu prends toute une ethnie, tu les insultes de porc ». Jusqu'à ce que tu sélectionnes un être humain. Est-ce que c'est juste de traiter les êtres humains de, 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 de cochons Est-ce que c'est normal pour un blogueur d'appeler les gens porcs Est-ce que c'est normal de comparer un être humain à, 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 à un animal C'est normal C'est normal que tu compares. Tu dis que les bamirques, c'est des porcs. C'est des phrases normales pour quelqu'un qui dit que je veux que le Cameroun change? Voilà tout ce que vous avez gobé. Voilà tout ce que vous avez gobé, tout ça. Les gens qui disent que je veux que le Cameroun change, ils insultent les bêtis, ils insultent les boulots. Mon ami, il y a beaucoup de bêtis qui n'ont jamais rien profité du gouvernement. Il y a beaucoup de bêtis qui ont plus mal. Les bêtis ont même plus mal que beaucoup de personnes qu'on ne sait pas. Quand vous insultez les boulots ou les bêtis là, mais c'est le tribalisme, c'est la haine. Le gouvernement du Cameroun est composé de tout le monde. Ceux qui mangent là-bas, ils, ils sont de toutes les tribus. Donc un Camerounais qui, qui, qui se livre à ce jeu, de venir sur Internet et insulter une ethnie, est tout simplement un tribaliste. Mais vous allez échouer. Hein? Les, Camerounais, les Camerounais vont continuer à s'aimer entre eux. J'étais à une veillée hier. Il y avait les il y avait à cette veillée là il y avait toutes les ethnies là dedans vous n'allez jamais diviser les Camerounais sur Facebook vous n'allez pas réussir ça ce que vous avez fait là bavader bavader les Camerounais vont toujours nias ensemble les Bétis vont toujours sortir avec les Bamileke les Bamileke vont sortir avec les Bétis les Douala vont sortir avec les Impos. vous n'allez jamais réussir même les, les anglophones même même les activistes anglophones là ils ont voulu tout faire pour que pour, ils ont voulu endoctriner les anglophones et détester les francophones. Mais c'est faux. Il y aura toujours les mariages francophones-anglophones. Le francophone est chez lui à Douala, est chez lui à Yaoundé, est chez lui partout. Parce que la manipulation se passe sur les réseaux sociaux, mes chers amis. Tous ces gens vous manipulent à partir de leur petit téléphone. Et il faut des gens pour éclairer le peuple sans. Vous êtes partisans. Quand nous commencions les réseaux sociaux, nous on était dans la sensibilisation. On n'était pas là que Camto, on n'était pas là que Paul Bia, on n'était pas là que Cabral. -Liby. Ce qui a tué ces gars-là aujourd'hui, c'est de venir porter les, les couvertures des partis politiques. On peut très bien vouloir le changement de son pays sans porter une casquette politique. Lorsque vous commencez à porter une casquette politique, vous respectez la ligne de ce parti politique. Si tu dis que tu suis le MRC, tu ne peux pas venir insulter le Cameroun. Tu ne peux pas venir parce que j'ai vu, euh, par exemple, j'ai vu Calibre a écrit que il est activiste et il supporte Maurice Camto et, 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 et Maurice Campto est son leader. Ça c'est quoi ça Tu dis je suis activiste et mon leader c'est Maurice Camto. C'est pas si c'est compatible. Voilà, voilà c'est compatible de dire que je suis un activiste et mon leader, c'est Maurice Camteau. Est-ce qu'un militant d'un parti politique fait la même chose qu'un activiste politique Ces choses-là ne marchent pas ensemble. C'est pour, pourquoi moi, je disais que beaucoup de ces gars n'ont pas, pas la connaissance qu'il faut pour, faire, pour poser les actes qu'ils qu posent. Ils n'ont pas. La politique, frère, il faut être outiller, il faut avoir un cerveau pour faire la politique. Ce n'est pas le lait. Venir là comme ça, commencer à parler d'un pays, de dire ceci, ceci, cela, il faut avoir de la connaissance. Je vous renvoie d'ailleurs d'aller bien lire le livre de Machiavel, le prince de Machiavel. Allez lire ce livre pour comprendre ce que c'est que la gouvernance. Allez lire qui était le philosophe Machiavel pour comprendre comment on gère un pays, comment on gère les gens comme vous là. Parce que l'homme qui est outillé, qui a lu, hein, il peut vous manipuler. C'est pourquoi un gars comme Niamsi, c'est pourquoi un gars comme Niamsi, il vous mange correctement, parce qu'il sait, il sait de quoi il parle. Il connaît, il connaît, la, il connaît ce qu'il fait. Si vous n'avez rien dans le cerveau, vous ne pouvez pas vous en sortir devant un vrai politicien. Tu ne peux pas. Un gars qui a lu Machiavel. Le prince de, Ma de Machiavel, tu ne peux pas venir lui parler de politique, tu ne peux pas, il va te bouffer. Allez, allez même sur YouTube, vous essayez de taper Ma le prince de Machiavel, la conservation du pouvoir. Machia Machiavel dit pour conserver le pouvoir on, 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 on doit essayer de comprendre le peuple pour mieux le contrôler. On ne doit pas, tout, on ne doit pas donner au peuple ce dont il a besoin. Il y a des choses qu'on fait pour, pour conserver le pouvoir. Et c'est ce qui se passe, mes amis. Vous, vous n'avez vous n'êtes vous, vous pas cultivé pour comprendre les enjeux, ce qui se passe, vous n'êtes pas cultivé. Je vous ai dit que vous me voyez plus sur la, sur la toile parce que moi je vais lire. Je lis. Il faut lire. Vous manipulez, c'est trop facile. Quelqu'un qui, quelqu qui est suffisamment qui, qui, qui lit qui sait ce que c'est que la politique. Les gars comme vous là, pour vous manipuler, c'est trop facile parce que vous ne vous ne maîtrisez rien. Vous ne maîtrisez rien, pour vous manipuler, pour vous enterrer, enterrer et vos idées, c'est trop facile. Quand on vous parle de Machiavel, c'est quelqu'un qui est né en en Italie en 1460. C'est quelqu'un qui travaillait pour le gouvernement de je crois vénitien, je crois euh, voilà. et qui, qui, a, qui a essayé de... de, 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 de... C'est-à-dire qu'il a écrit dans, 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 dans cet ouvrage comment est-ce qu'on conserve le pouvoir, comment est-ce qu'on manipule les gens. Il a expliqué. C'est pourquoi tous ces présidents africains, ils lisent ce livre. Et moi, j'ai commencé à le lire et à comprendre. Il faut savoir à qui vous avez affaire. Ce sont des gens qui savent très très bien qui vous êtes. Et si... Un pouvoir dure longtemps, c'est parce que ce pouvoir a compris sa population. Voilà. Donc si un pouvoir met longtemps, c'est parce qu'ils ont compris ce que le peuple veut. Si les Camerounais n'arrivent pas à se révolter, c'est parce qu'ils sont sous contrôle. Mes frères, allez lire. Moi, on ne m'a pas enseigné ça. Je suis allé chercher ça seul. Vous êtes tout simplement des ignorants. Vous croyez que vous pouvez rester comme ça là sur Facebook. Vous dites aux Camerounais de se soulever. Tu peux rester comme ça sur Internet, tu demandes... Tu, donc vous, êtes, vous êtes tellement fou, vous êtes bête. Tu crois que tu peux, vous, tu peux rester prononcer un discours et, 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 et les gens vont dans la rue au Cameroun. C'est un coup de génie que, que lorsque vous vous adressez aux gens qui vous écoutent, Quand vous voyez, vous êtes connecté, il y a 1000 personnes qui vous suivent. Vous croyez que c'est parce que ce que vous dites est trop intéressant. Non, vous, vous êtes dans une histoire de solidarité des de, de, de idées aussi. Hein? Vous, êtes dans une vous êtes habité par, par le, 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 le tribalisme. Vous le, savez que quand vous suivez un, une idéologie par tribalisme, c'est là où vous êtes nombreux. Vous savez que vous allez parce que, voilà, c'est mon frère. Voilà. Il y a des guerres qu'il ne faut pas mener. Il faut déjà comprendre à l'avance que ça ne sert à rien ou bien suffisamment être outillé. Moi, je vous dis, le changement au Cameroun viendra et ce sont les intellectuels qui vont changer ce pays. Franchement, on peut pas, les idiots ne peuvent pas changer le Cameroun. Voilà. C'est toute la classe. C'est toute la classe des gens qui ont un cerveau qui vont changer ce pays, qui vont s'affronter. Et que ceux qui veulent participer au changement, qu'ils aillent encore à l'école. Je vous dis que moi, je suis, je lis des livres, je me cultive seul pour, pour le comprendre. Tout ce que vous faites dans la diaspora n'a aucun effet. Ça n'a aucun effet. Vous ne comprenez pas ça comment Ça n'a aucun effet positif. Vous voilà, aujourd'hui, vous, vous vous insultez entre vous. Vous, vous, êtes, vous êtes tellement ridicule. Des gens qui disent qu'ils veulent. Quand vous voulez changer un pays, on doit regarder vos propres comportements. Vous dites qu'on va changer, regarde comment vous insultez entre vous. Regarde comment vous vous affichez. Regarde les escroqueries. Tout ce que vous faites n'a aucun sens. C'est un peu comme un père qui dit qu'il dit qu va donner les conseils à ses enfants. Un père de famille, lui-même c'est un soulard. Un père de famille qui est lui-même un homme à femme. Qu'est-ce qu'un père comme ça peut, peut conseiller à ses enfants Donc vous êtes des gens qui voulaient que le Cameroun change alors que vous êtes des ordures. Quand on vous, on vous confie, quand vous faites un liti, on vous donne voilà, 10 000 euros, vous bouffez ça, tu bouffes ça. Et toi qui dis que je vais changer le Cameroun alors que tu bouffes les litis des gens, tu, tu as quelle leçon à donner? Quelqu'un à qui les Marx qui voient, à qui, 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 qui ils, ils critiquent le gouvernement. Et eux, et on leur et, et, Voilà les gens qui critiquent. Les marques ils voient, c'est les gars qui critiquent le gouvernement. Et dans leurs histoires, ils, ils, ils demandent de l'argent, des contributions. On les donne l'argent, ils bouffent ça. Mon Dieu! Sans vergogne, ils reviennent encore, ils mettent le téléphone, ils, ils, ils allument encore le téléphone jusqu'à ce qu'ils parlent. Zéro éthique. Quand vous faites des choses comme ça, vous dites tout simplement que je n'ai pas qualité à poursuivre et je démissionne. Tu ne peux pas venir dire que tu vas changer le Cameroun. Les Marx ignores, ils voient, Tu dis que je vais changer le Cameroun. Et tu es le premier toi-même à, 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 à faire une levée de fonds et tu escroques ça, tu n'expliques pas. Les voleurs ne changent pas un pays. Les menteurs ne changent pas un pays. Les personnes qui n'ont pas d'éthique ne changent rien du tout. Ils ne changent même pas leur propre vie. Parce que changer ses propres habitudes, c'est dur. Je vous ai dit ça l'autre jour, que changer une habitude, si tu es quelqu'un qui est accro à Facebook, pour que tu arrêtes d'être accro à Facebook, c'est difficile de changer. C'est difficile de changer une femme qui est une bordelle, une femme qui couche avec beaucoup d'hommes, pour qu'elle change ça, pour qu'elle arrête ça. C'est quelque chose de difficile. Lorsque vous arrivez à changer une habitude, franchement, chapeau, une femme qui fume et qui va arrêter de fumer, c'est compliqué. Voilà. Quand, moi, je dis aux Camerounais que de la diaspora, là, vous n'avez pas qualité à parler au, au nom d'un certain changement. Sur Internet, Dieu seul sait que je suis un des Camerounais qui parle sur Internet, qui n'a jamais prôné la haine tribale. Je suis un des Camerounais. Je suis même le seul Camerounais qui est sur Internet depuis longtemps qui n'a jamais été ni de la base ni des patriotes, qui n'est pas entré dans vos choses-là. Je suis resté intègre. Une personne qui est sur les réseaux sociaux pour sensibiliser sa population, pour porter le message des, des nécessiteux. Comprenez Je n'ai pas choisi des... Cas, tous les Camerounais ont, qui sont connus sur Internet, la plupart ont choisi entre la bêtise et l'autre bêtise. Parce que vous n'êtes que la bêtise. Un temps, chez les patriotes, ils s'insultent. Ils se calomnient, ils volent, il y a ceux qui sont des voleurs là-dedans. À la base, c'est pareil. Vous allez demander vous, quelles sont les leçons que vous allez donner aux gens au Cameroun. Vous restez, vous dites aux gens au Cameroun, vous donnez des leçons aux gens au Cameroun. Certains même, c'est des voleurs, les gens qui ont volé dans la diaspora, qui ont été des man. Mais je vous dis, vrai, vrai, avant de venir, t'allais que prendre, venir comme ça là, sur Internet, car réfléchissez sur votre derrière. Est-ce que tu respectes déjà même ta femme à la maison? Est-ce que tu es capable, est-ce que tu respectes même déjà la femme pour dire que tu vas changer le Cameroun? Pour venir te mettre sur les réseaux sociaux. Il y a des gars là-bas qui sont de la basse, qui, qui, qui ont la nudité, qui ont violé des femmes. Il y a des gars qui sont dans la basse qui ont la nudité. Ils ont la nudité des femmes. C'est-à-dire qu'ils couchent avec une femme. Il a filmé, il a gardé pour faire du chantage. Il y a des gens dans ces mouvements, des gens qui disent qu'ils veulent changer le Cameroun, qui ont. Qui vole. C'est-à-dire que son travail, c'est voler pour vivre. On lui demande qu'est-ce qu'il fait dans la vie. Il fait le tcha, -tcha. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie Il est escroc. Comment est-ce que tu sais que tu n'as pas. Tu n'as pas. Comment tu sais toi-même que tu es une fausse personne et tu oses venir parler au nom d'un peuple. Il faut avoir énormément de respect pour des personnes intègres. Des gens. Qui ont un travail, qui ont un parcours et qui parlent. Respectez le peuple camerounais. Vous vous êtes foutu vous-même la honte. Voilà, aujourd'hui on voit votre honte. Aujourd'hui là vous pouvez parler à qui Celui qui a le courage. Celui qui. Si vous voyez encore un camerounais qui entre dans la, dans les histoires là, la basse, les patriotes, que, chapeau, hein? vous entrez dans quoi Si vous voyez encore un camerounais aujourd'hui qui peut entrer dans les histoires là, <laughs> regardez-les. Ils sont ridicules quand ils s'insultent. Des vieilles mères comme ça. là Une maman, tu prends le téléphone, tu insultes, tu dis que je supporte le président Paul Biya, je supporte la République du Cameroun. Et, et, et dans la même bouche, tu insultes une ethnie, tu insultes les Bamilekés. Dans la même bouche qui dit que je supporte le Cameroun, je me bats pour le Cameroun. La même bouche pratique le tribalisme. S'il n'y a personne, si y a personne qui, va vous dire, qui va vous le dire, vous êtes. Vous êtes pathétique. C'est-à-dire que c'est la honte, ça. Ce n'est même, 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 même pas cohérent. Tu supportes le Cameroun, tu te bats pour le président Paul Biya. Et tu insultes les Bamileke. Et tu insultes les gens. Et tu calonies les gens. Et tu enregistres les gens. Lorsqu'on se met sur les réseaux sociaux, en tant qu'une personne qui, euh, qui doit être écoutée, il faut être sûr que les actes que vous posez sont les actes de quelqu'un qui est correct dans la société, de quelqu'un qui a une éthique, qui a une éducation, quelqu'un qui respecte les gens. Tous ces Camerounais-là ne peuvent pas. Tous ces Camerounais, ils ne peuvent pas parler sans insulter les gens. Vous êtes qui Vous avez une femme. Quand je vois une fille comme euh, euh, Coach Benelli, une femme avait des enfants en plein 10 en train d'insulter, en train d'insulter les gens. Elle insulte Nassis Baga. Elle insulte telle quelle telle personne. J'ai dit, mais madame, ce n'est pas parce que Nassis Bagata peut être insulté que toi, tu veux insulter. Si vous êtes une personne qui est très bien élevée, lorsqu'on vous a insulté, vous ne répondez pas par des injures. Quand tu es bien élevé hein, et que quelqu'un t'insulte, tu lui dis, pas de problème. Les sages ne répondent pas aux injures par des injures. Ils peuvent tout simplement ignorer ceux qui les insultent. Bonsoir, Kim Nadia. Kim Nadia, salut. Vous avez échoué. Vous avez échoué dans la diaspora. Vous avez échoué. Les Camerounais veulent se débrouiller. Ils n'ont plus envie de vos histoires là. Vous êtes, maintenant, vous êtes comme des actes. Vous êtes comme des comédiens. Quand on regarde les directs des gars de la base des patriotes, c'est la comédie. Ça n'apporte rien au Cameroun. Ça n'apporte rien. Et vous êtes tellement méchant. Vous n'avez jamais encouragé un Camerounais. Vous serez dans un chômage sur les réseaux sociaux. Vous, avez, vous, vous êtes sur Internet pour vous faire connaître. Vous êtes prêt à tout. Hein? Tout simplement parce qu'il faut qu'on parle de vous. Vous avez trouvé... Euh, comme vous ne, pouvez, vous ne pouviez pas être chanteur, vous ne pouviez pas être euh, euh, footballeur. Voilà. Je m'avais dit que je supporte... Je m'avais fait le tribalisme sur Internet. Voilà. Tu allais faire le tribalisme sur Internet pour être connu. Parce qu'on sait, les Camerounais aiment ça. Si moi je, je, insulté une herbienne ici, là vous devez partager le direct. Voilà, vous partagez. Si moi j'étais en train d'insulter les Bamilékés ou bien j'insultais les boulots. Hein? Comme certains osent même dire les sales boulots. Je vois un Camerounais, il insulte son frère, il dit que sale boulot. Mais vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Vous êtes ridicule, tous les gars de la base là, des, des machins là. Vous êtes... C'est pas... Vous voulez aucun changement. Les gens qui veulent le changement au Cameroun, ceux qui veulent le changement au Cameroun sont posés. Ils ont des bonnes manières. Voilà. Même dans leur direct, quelqu'un qui dit que je veux que mon pays change. Quand tu écoutes cette personne, tu n'écoutes pas la saleté dans sa bouche. Tu n'écoutes pas les horreurs. Tu n'écoutes pas des calomnies. Les gens qui veulent le changement n'enregistrent pas leurs frères. Les gens qui veulent le changement ont des pages. Euh, pour éduquer les gens. Ils n'ont pas les pages pour lyncher les, les autres. Parce que beaucoup de personnes aujourd'hui ont des pages Facebook pour du lynchage. Des lâches. Voilà. Moi, j'ai sur ma page officielle 130, 130 000 abonnés. Cette page sert de publicité. Ça, ça sert d'information. Ce n'est jamais une page pour lyncher les Camerounais. Vous comprenez hein? Voilà. Il y a des gens aujourd'hui, leur page Facebook, c'est qu'il faut, il faut tout mettre là-dedans. Tous les choses qui dégradent. Qui, dé, qui dégrade l'image de quelqu'un, d'un proche, ils vont mettre sur les réseaux sociaux. Mes chers frères, ce direct est tout simplement pour appeler à la paix dans la diaspora. Ceux qui veulent faire la politique, qu'ils aillent s'inscrire dans les partis politiques. Tu veux faire la politique, il y a le MSC à Paris, va entrer dans le MSC. Hein? Moi, je, je, ce qui me surprend en fait, c'est quand je vois des vieilles filles, gars, les femmes qui ont bordé pendant leur jeunesse, elles n'ont fait que la prostitution. Et, et, et aujourd'hui, elles ont trouvé une histoire, elles ont trouvé une issue. C'est, euh, venez, je suis dans la révolution. Madame, toute ta jeunesse, là, tu ne pensais pas au Cameroun. Quand tu pouvais donner de ta jeunesse, pour le Cameroun, tu n'étais pas là. Tu viens donner de ta vieillesse, parce que tu viens chercher les hommes dans les histoires, là. On sait. Eh, comment vous avez dit qu'il y a beaucoup de sans-papiers qui sont dans les des histoires Là, vous venez chercher les sans-papiers pour les manipuler. Vous n'avez pas honte Vous représentez le Cameroun Un pays d'intellectuels, un pays des de gens qui pensent, un pays de débrouillards Vous représentez quel Cameroun Moi, je remercie les personnes qui ont partagé ce direct. Il est porteur d'un gros message un message d'unité, un message de sensibilisation. Et je souhaite que ça puisse euh, euh, voilà, euh, entrer, euh, que ce message puisse parvenir euh, aux oreilles des, des, des personnes, que ça apporte un changement aux gens. Moi, je dis aux Camerounais, nous sommes deux ans après l'élection présidentielle. La prochaine élection au Cameroun, c'est 2025. Ceux qui veulent faire de la politique, allez, vous inscrire, allez, allez, allez euh, intégrer les partis politiques de votre choix. Laissez les gens respirer avec vos histoires sur Facebook. Voilà, laissez les gens respirer. Vous êtes des voleurs. Vous êtes des létisards. Vous êtes des, 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 des violeurs. Vous êtes la honte. Vous êtes la dernière classe de la diaspora. Des gens qui passent leur vie sur Facebook à vouloir se faire voir. Hein? Vous êtes des, 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 des personnes qui vous prenez la méchanceté. Vous êtes la honte. Vos directs sont des théâtres. On regarde, ça nous amuse. On pisse dessus sur vos directs. Le Cameroun est tel qu'il est. Le système qui est là-bas, c'est un système voulu par les Camerounais. Oui, vous, vous savez qu'on ne peut pas battre Paul Biya au Cameroun à une élection parce que le système qui est là-bas, c'est un système qui, qui vote pour lui. Vous le savez, on ne peut pas gagner. Pour qu'il parte de là, il partira lui-même. Vous êtes biaïs depuis longtemps. Vous-même, vous êtes biaïs. Votre père est Paul Biya. Les plus riches des chevaux sont Paul Biya. Le sous-préfet, toutes les personnalités, quand le système est comme ça, frère, lisez un peu. Vous ne pouvez pas battre ce monsieur-là, là-bas. Vous ne pourriez pas. Vous êtes des voleurs, vous êtes des prostituées, vous êtes la honte, vous êtes, vous êtes des, des des, les, les plus mauvais comédiens. Fingantralala joue bien mieux la comédie que vos bêtises que vous faites. Ça apporte quoi aux gens Pourquoi vous insultez Si, si vous faites un bon combat, pourquoi vous insultez entre vous Pourquoi vous vous calomniez pourquoi vous vous volez Vous êtes des voleurs, vous êtes de la honte. Il, faut, il ne faut pas qu'on parle de vos enfants. Il ne faut même pas qu'on parle de vos histoires de la, de la diaspora à un enfant au Cameroun. Parce que c'est le, le, le pire des, des mauvais exemples. Mais il faut qu'on parle de ce que vous faites aux enfants là au Cameroun. Les gens qui voulaient sauver le Cameroun. El Cheno a volé 40 000 euros. Marc il voit voler 17 000 euros. Les autres qui disent qu'ils sont les patriotes, mais qui s'insultent entre eux. La politique, c'est un combat d'idées. Vous avez déjà vu les membres du, du, du MRC en train de faire ce que vous faites là. Vous avez déjà vu les membres du RDPC faire ça. Parce qu'ils font de la politique. Je ne suis pas d'accord avec toi. Ce n'est pas une raison pour que je t'insulte. Lorsqu'on est dans un parti politique, tout ce qui est fait comme récolte de fonds appartient au parti politique. Vous êtes dans une histoire pour vous remplir les poches. Et il y a toujours des naïfs qui retirent l'argent, je contribue. Tu contribues quoi? Tu n'as rien à faire avec l'argent. Quelqu'un soit un chômeur, il ne fout rien de sa vie. Assis en train de demander de l'argent aux gens. Les gens donnent l'argent, après ils portent, ils mangent ça. Voilà les gens qui viennent, ils parlent. Euh, après, tu vas entendre, ils vont dire qu'il y, y a un ministre qui a escroqué l'argent. Mais toi, tu es un voleur. Toi, toi, mars Seigneur, il voit, tu es un voleur et tu ne peux pas accuser un voleur. Tu es un voleur parce que tu es accusé de, 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 de faire des récoltes de fonds dont tu n'expliques ne, tu à personne ce que tu as fait de ça. Tu es un voleur. Les gens comme ça n'ont pas... Les gens comme ça, C'est à dire que c'est une honte. Lorsque tu as déjà volé l'argent des gens et que tu viens accuser d'être voleur. Voilà des gens qui restent dans la diaspora. Ils polluent les gens avec le tribalisme, avec la haine. Les gens regardent ça. On va aller dire aux enfants au Cameroun que voilà tel, voilà tel. Mais vous êtes... Vous cacher, il faut cacher ce que vous faites là aux gens. Vous ne pouvez même pas adhérer dans un parti politique. Vous ne pouvez pas supporter le rythme d'un parti politique. Un parti politique est discipliné, gars. Tu ne peux pas go dans le MSC, tu ne peux pas faire les lits là-bas et tu vas prendre ça. Tu ne peux pas entrer, allez entrer dans le MSC, allez faire ça là-bas. L'activiste est mieux pour vous parce que vous êtes libre de voler l'argent, vous êtes libre de violer les femmes. Puisque si tu es dans un parti politique et que tu, tu, tu violes une femme, tu es exclu du parti. Il y a de la discipline. Il y a de la discipline. Vous, vous n'allez jamais entrer dans les partis politiques. Vous ne pouvez pas. Quelqu'un dit Je suis activiste, mon leader, c'est Maurice Camteau. Mais Maurice Camteau ne peut pas fonctionner avec un activiste qui casse l'ambassade. Si vous cassez l'ambassade du Cameroun et vous dites que Maurice Camto est votre leader, mais vous vous attendez, les gens vont penser quoi Un militant d'un parti politique ne peut pas aller casser l'ambassade. Quelqu'un qui, qui supporte vraiment Maurice Camto ne peut pas être dans la violence. Maurice Camto fait de la politique. Il fait de la politique. Vous faites trop honte. Je vous ai dit que les directs des gars de la diaspora, c'est la comédie, c'est le fingontralalisme. C'est le fingontralalisme. Fingon J'appelle ça le fingontralalisme. Donc, vous faites marrer des gens. Hein? Vous faites marrer des gens, vous êtes des comédiens. Quelqu'un me demande si ça te fait mal au du camin. Voilà des questions. Des gens à bloquer sur ma page. Toutes ces divisions que vous avez semées, tout ce discours mensonger. On sait que le pays va mal. On est conscient que le pays va mal. Mais pour que le pays aille bien, on n'a pas besoin des de, de, de bandits pour, euh, qui, vont, qui vont chercher un certain changement. On n'a pas besoin des de violeurs des femmes pour chercher à changer le Cameroun. On n'a pas besoin des litisards, des gens qui vivent de, 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 de la collecte des femmes comme s'ils sont des mendiants pour chercher à changer le Cameroun. Le Cameroun a besoin de, de nouveaux Camerounais. Des gens qui travaillent, des gens qui ont une parole qui est lourde de valeur, en fait. Il y a des gens comme ça. C'est des gens qui n'ont jamais été accusés de quoi que ce soit. C'est des bonnes personnes qui peuvent dire oui, on veut le changement au Cameroun, qui nous ressemblent. Un voleur va, ne peut pas se tenir. Je veux que le Cameroun change. Il a cotisé l'argent. Il a, il a été dans la, dans la collecte des fonds. On a donné aussi 17 000 euros. Il a mangé ça. Il vient, il dit que le Cameroun doit changer. Mais vous prenez les Camerounais pour dire, vous êtes des voleurs. Vous êtes des bandits. Comment toi tu voles l'argent des gens C'est-à-dire que les gens ont cotisé l'argent pour un truc. On t'a donné. Les gens ont contribué un truc d'argent. C'est-à-dire que moralement, quand tu te comportes comme ça, là, frère, cache-toi. Quand, quand tu as volé comme ça, là. Quand tu as volé, les gens ont contribué l'argent pour te donner pour quelque chose. Tu as mangé ça. Ne viens plus dire que tu parles pour le peuple. Tu es un voleur. Ce que tu veux faire, tu veux revenir, recontribuer l'argent. Tu veux venir encore collecter l'argent pour vous voler encore. Parce que vous n'aimez pas travailler. Vous n'aimez pas travailler. Tout ce, tous les Camerounais que vous voyez dans les magouilles, là, Les Camerounais que vous voyez dans les petits vols, là, Les magouilles, les bêtises, là. C'est ceux qui n'aiment pas travailler. Mon ami, celui qui se connaît se lever le matin, celui qui sait se lever à 6 h et qui travaille, qui rentre le soir, ne peut pas être un mendiant. Même les blogueurs qui sont sur la toile, qui travaillent, ne sont, ne, vous ne les voyez pas dans les histoires de, 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 des minables histoires de toujours cotiser de l'argent. Celui qui travaille n'est pas dans la mendicité parce qu'il attend un salaire. Sur Internet, il fait valoir ses idées. Voilà, tous ces gens-là, ils écrivent les livres pour vendre, tout ça pour... C'est-à-dire qu'ils se sont mis dans une histoire qui les a donné un nom. Il faut utiliser le nom de, 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 de Maurice Camteau pour vendre les livres. Il faut utiliser le nom de Maurice Camteau, le nom du Cameroun pour vendre. C'est pourquoi ils veulent que ça dure. C'est pourquoi ils sortent toujours les nouveaux, les nouveaux scoops. Hein? Foutez le camp avec ça. Vous êtes des bandits, les gars. Vous êtes des voleurs. Vous, êtes... vous... Alors, Ceux qui vous respectent sont des voleurs comme vous. Un enfant qui vole, hein? Toi qui me mets les têtes de mort là, Abel, abeille voyou, c'est toi qui me mets les têtes de mort. Je vais te bloquer, Abel voyou. Je vais te bloquer si je vois encore une tête de mort. Voilà, j'ai parle, Il met toujours, il te bloque. Voilà. Bloqué. Il y qui met les tête de moi ici. là, je vais vous bloquer. Il bloque encore celui-ci. Mettez le cœur. Voilà. Il n'y a cœurs, une bande de voleurs, une bande de voyous, de chômeurs, n'ont pas qualité à venir prendre certains changements. Celui qui me met le tête de moi là, je vais te bloquer. Voilà, j'ai à bloquer l'autre, là. Je vais aussi te bloquer, là. Mes amis, mettez-moi le cœur, s'il vous plaît. Mettez-moi le cœur. Mettez-moi le cœur. Quand vous avez les enfants, quelles sont les valeurs que vous, que, que, que vous transmettez à vos enfants? Quand vous avez des enfants, vous demandez à vos enfants d'être des enfants honnêtes. Vous demandez à vos enfants d'éviter de prendre ce qui ne leur appartient pas. Hein? Voilà des valeurs à transmettre aux enfants. Mais les, les Camerounais de Facebook de la basse, ces Camerounais-là de la basse, quelles sont les valeurs une femme, qui, hein, une femme qui, se, qui, qui, qui vend les fesses à gauche, et à droite, qui est entrée dans les mouvements pour, pour être avec les hommes, quelles sont les valeurs que vous transmettez? Vous voulez un Cameroun nouveau avec quelle valeur? Le Cameroun nouveau, le vôtre que vous cherchez là, avec quelle valeur? Quel type de Cameroun nouveau tu cherches quand les gens cotisent l'argent, les te dont tu manges? Quel Cameroun nouveau tu cherches quand tu ne travailles pas, tu es un paresseux, tu attends que la femme travaille et te donne l'argent. Tu es un gigolo, tu, es, tu, tu veux quel Cameroun nouveau quand tu exploites les femmes hein? Seignon a été accusé ici là, partout, d'avoir pris de l'argent aux femmes. Il n'a jamais donné une explication à ça et, et il est champion pour venir parler que le président Paul Biya fait ceci cela. Mais à ton niveau, tu es quel genre de citoyen que les femmes t'accusent de, de les avoir volé de l'argent et tu ne t'expliques pas Tu veux un Cameroun nouveau qui ressemble à ça tu veux être toi demain on dit que tu devais être l'ambassadeur de quelque chose on t'a accusé des viols on t'a accusé des vols d'argent à gauche à droite tu n'as jamais pu venir t'expliquer parce que c'est vrai qui ne dit rien qu'on sent voilà l'autre matin Tadjo qui dit qu'il veut que le Cameroun change il arrive à l'ambassade ils sont là en train de voler des choses ils volent du matériel à l'ambassade voilà des gens qui sont en train de manipuler des naïfs je ne peux jamais respecter un Camerounais qui est, qui, qui est un menteur. Je ne peux jamais respecter un Camerounais qui est un voleur. Je ne respecte pas des gens qui, 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 qui ne travaillent pas. Quand tu n'es pas un infime en Europe, tu, tu, tu as un chômeur. Je ne respecte même pas d'abord quelqu'un qui ne s'élève le matin et ne travaille pas. Voilà, il faut travailler parce que c'est ta dignité. C est, c est, c est, tu travailles pour ta dignité, pour pouvoir te payer un verre, pour pouvoir te faire respecter. Celui qui me met la tête de mort là, je t'avertis, quitte mon direct, tu pars. Parce que moi, je vais, te, je vais faire ta fête tout à l'heure. J'ai même bloqué quelqu'un tout à l'heure. Je, je pensais que c'est lui qui me dit ça, alors que c'est pas lui. Pourquoi vous avez peur de la vérité? J'ai dit, les gens qui se mettent là, le Cameroun doit changer, qui sont des bagarreurs, qui sont des violents. C'est ça que vous transmettez à vos enfants. Quand vous faites vos bêtises là sur internet. Elle nous-même a été accusé de viol. Il ne s'est jamais expliqué. Voilà. As dit que voilà le comportement des gens qui sont en train de, de ils sont sur les réseaux sociaux en train de d'expliquer de, des bêtises aux gens. Le, le Cameroun doit changer. On t'accuse d'avoir violé des femmes. Tu ne viens pas t'expliquer publiquement. Hein? Est-ce que tu es venu public, publiquement dire aux gens on m'accuse de viol que, le Cameroun qui doit changer c'est celui-ci. Un Cameroun, un Camerounais qui dit que je veux que le Cameroun change c'est quelqu'un. Que lorsqu'il est accusé de quelque chose sur les réseaux sociaux, il vient, il s'explique. La manière que tu te comportes sur, sur Internet, c'est de la même manière que tu voudrais que ton 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 leader se comporte. Tu ne peux pas être un voleur et tu dis que tu supports Maurice Kamto. Non, tu ne supportes pas Maurice Kamto. Tu es tout simplement un gros voleur. Voilà. Tu ne peux pas être quelqu'un à qui on, on, les gens les gens les gens souffrent, les femmes lavent les fesses des vieilles mères les gens se débrouillent à gauche, à droite, on te donne l'argent, tu viens, tu escognes hein, les gens, tu dis que je supporte Maurice Camto. je veux que le Cameroun change. Non, tu veux que tes poches soient pleines, tu es un bandit. Moi, j'invite les Camerounais à ne plus avoir aucune pitié pour des voleurs. Je n'aime pas la, les médiocres qui, et, et, et je parle là de la diaspora. Voilà, des décès vauriens qui sont dans la diaspora. Moi, j'encourage les Camerounais à vivre comme les Chinois. Les Chinois, ils travaillent, ils ne font pas du bruit, ils sont solidaires. J'invite les Camerounais à se comporter comme des Chinois. Vous comprenez? C'est trop la paresse. C'est un peuple où les gens ne veulent pas travailler. Les gens sont toujours là à aller au bar, attendre qu'on achète la bière, on lui donne. Les gens sont toujours là à attendre le jour du voyage, il faut que quelqu'un leur, leur paye ceci. Hein je ne supporte pas. Je suis allergique à la paresse. Je suis allergique aux, aux, aux fausses personnes. Hein Et les gens qui disent qu'ils veulent le changement au Cameroun, je ne, je ne connais pas. Je ne connais même pas ceux qui, qui, qui méritent de parler au nom du Cameroun dans, la, dans cette diaspora. C'est vous qui avez aggravé le tribalisme dans la diaspora. C'est vous qui avez encouragé les litis. Les litis étaient faits pour aider les gens qui sont malades au Cameroun. Si on avait un cas de maladie au Cameroun, quelqu'un qui est très malade, on faisait les litis pour aider ces gens. Maintenant, vous avez fait des litis pour construire de vos maisons, pour acheter vos maisons en Europe avec. Quelle honte Bande de voleurs, bande de nullards. Vous êtes tout simplement une honte. Vous comprenez si vous n'étiez pas comme ça, je n'avais rien à dire sur vous. Regarde, vous vous combattez parce que vous, vous, vous êtes des fausses personnes. Vous vous combattez, vous vous insultez tout simplement parce que vous êtes des fausses personnes. Deux personnes qui savent qu'ils mènent un, un combat noble ne s'insultent pas. Les gens qui savent qu'ils veulent le changement dans leur pays n'ont pas à s'insulter. Parce que ce n'est pas leur intérêt, ce n'est pas leur personne qui est mise en avant. Si toi et moi, qu il faut que le Cameroun change, on n'a pas à se bagarrer. L'objectif, c'est que le Cameroun doit changer. Nos idées, nos actions sont pour le profit de, de, de que le Cameroun doit changer. On n'a pas à se combattre. Quand les gens se combattent entre, entre eux, quand les personnes se combattent entre elles, c'est que ces personnes discutent des intérêts personnels. L'objectif n'est jamais commun. Quand deux personnes bagarrent, les gens ne peuvent pas. Si euh, le Cameroun. Et si le Cameroun est la chose la plus importante pour les Camerounais, ils n'ont pas à se bagarrer pour le bien du Cameroun. Et c'est pourquoi les Camerounais ne peuvent pas se soulever. C'est pourquoi les Camerounais ne peuvent pas aller dans la rue. Parce que le peuple Camerounais était un peuple. D chacun chacun cherchait sa part. C'est pourquoi on ne peut pas envoyer les Camerounais dans la rue. Parce que les Camerounais. Regardez le Mali. Les Maliens sont allés dans la rue parce qu'ils ils pensent à leur pays. Mais il est dit, même au Cameroun, là, chacun pense seulement à sa boutique, chacun pense à son intérêt. On ne peut pas. Vous n'avez pas compris quoi Je dois vous analyser le Cameroun et les Camerounais. Chez les patriotes, pourquoi ils se combattent entre eux C'est un jeu d'intérêt Vous croyez vraiment que c'est le Cameroun qui est mis en avant, même chez les patriotes Que c'est le Cameroun qui vaut Non Lorsque les gens se font déjà la bagarre, c'est les intérêts. Si le Cameroun, le bien du Cameroun, est la chose qui intéresse les Camerounais, ils auront le changement qu'ils souhaitent. aujourd'hui chacun regarde son intérêt, le Cameroun est également le Cameroun qui mérite aux Camerounais. Le Cameroun est, est le Cameroun qui mérite aux Camerounais. C'est pourquoi moi, je n'ai pas de combat à mener pour le Cameroun. Moi, je suis. Je regarde comme ça, j'applaudis. Ce pays-là est ce qu'il mérite aux Camerounais selon leur mentalité. Peu importe le président qui va gouverner ce pays, si les gens ne changent pas leur, leur sale mentalité, moi, je n'ai jamais regardé. Le, je n'ai jamais pensé, je n'ai pas ce courant de penser que c'est le président qui tue ce pays. Non! Ce n'est pas par peur que je le dis. J'ai dit que le problème des Camerounais, c'est un problème de mentalité, même ceux de la diaspora. Est-ce que les Camerounais qui sont de la base sont au Cameroun? Regarde comment ils se comportent. Regarde comment ils s'insultent. Même les gens qui ont été à l'école au Cameroun m'étonnent. Même ceux qui sont docteurs au Cameroun m'étonnent. Les gars sont des professeurs, tout ce qu'ils savent faire. Tout ce que les professeurs, les docteurs camerounais savent faire, c'est euh, prendre la haine. Nous avons vu ici, là, au début, comment Malene Mvutu, comment elle était une championne pour insulter les Bamileke. Nous avons vu Patrice Nganan, comment il était un champion pour insulter les Boulous. Nous avons vu les docteurs, les gens vont à l'école, leur école sert seulement à venir détruire leur pays avec la division. Lorsque vous lisez les grands philosophes, qu'est-ce qu'ils faisaient mais ils, ils, ils écrivaient pour que leur société se développe. Hein? Toute la philosophie était basée sur comment les gens comprennent la vie. Mais les Camerounais, mon frère, ceux qui vont à l'école au Cameroun, leur philosophie, c'est tout simplement de la division. Dans tous ces pays africains, c'est pareil. Les gens vont à l'école simplement pour venir chercher leur gagne-pain. L'école, ils ne mettent pas leur savoir pour le bien de, du peuple. Ils mettent leur savoir en Avant simplement pour leur ventre ou bien pour les gens de chez eux, c'est une honte. Lorsque vous avez compris ça, vous n'avez pas à perdre votre temps à dire Je me bats pour le, pour le pays. Je me bats pour quel pays Je me bats pour moi et je, je donne mes conseils sur les réseaux sociaux. Celui qui veut suivre, suit le changement dans un pays. Dans un pays, est, 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 est la volonté de la plupart des citoyens de ce pays. Si vous voulez que votre pays change, vous changez de mentalité. Vous avez une mentalité du changement vous commencez déjà à être poli, vous commencez déjà à avoir des bonnes manières. Un peuple qui est civilisé, le, le, qui, qui, qui est civilisé, hein? un peuple... Le, le, les Camerounais sont loin d'un changement. Vous pensez que... Même, si, même, même dans le MRC de Moïse Kamto, qui veut le changement Il y a du trouble. Parce qu'on ne comprend pas pourquoi est-ce que le MRC flotte avec la basse. On ne comprend pas comment le MRC flotte avec la basse. Imaginez s'ils sont au pouvoir. Les gars de la basse vont demander des, 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 des récompenses. Le leader du MRC n'explique pas aux Camerounais... C'est-à-dire que le leader du MRC n'arrive pas à expliquer aux Camerounais pourquoi est-ce qu'il a le soutien de la basse. Un mouvement violent. La basse est un mouvement violent. C'est un mouvement des de, de gens... Ben, vous le voyez un mouvement qui a un courant tribal. Dans la base, il y a les gens. Dans la base, eux, c'est les tribalistes. Dans la base, il y a des gens, eux, c'est les casseurs, c'est les bagarreurs. Oui, dans la base, il y a tout là-dedans. Parce que nous, on regarde ça. Chez les patriotes, chez les patriotes, c'est la même chose. Chez les patriotes, il y a des gens, c'est des tribalistes. Chez les patriotes, il y a des gens, c'est aussi les litisards. Ils sont là pour l'argent. Hein? Combien de Camerounais sont vrais qui veulent le changement Citez-moi un. Quand on regarde les chaînes de télé au Cameroun, on regarde des débatteurs. Combien de Camerounais s'asseyent qui veulent ce, le changement de ce pays Combien Donnez-moi les noms des Camerounais. qui que celui-ci aime le Cameroun. Citez-moi le nom. Citez-moi le nom. Donnez-moi le nom des Camerounais que oui, c'est vraiment quelqu'un qui aime le pays. Donnez-moi le nom si vous me suivez. Si vous connaissez quelqu'un, peu importe dans quel parti politique, celui-ci aime le Cameroun, donnez-moi le nom. Moi, le nom de quelqu'un que je pourrais citer qui est décédé, Atéba Yené. Voilà un gars. à hein? Yené. Voilà. Donc les gens qui aiment les Cameroun, les, 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 les hyénistes, moi je les appelle les hyénistes, ceux qui ont tout euh, l'esprit, euh, qui ont la pensée d'Atebayé. De, de, C'est qui Dans la diaspora, là, vous connaissez des, des hyénistes Et moi je dis que même pour l'apaisement, à un moment... Moïse Kamto peut, peut voir que le climat politique au Cameroun est dans une violence. À un moment, ce n'est pas pour le bien du peuple. Pour le bien du peuple, tu peux baisser d'un cran. Pour le bien du peuple, Moïse Kamto peut dire que, bon voilà, le peuple est. C'est-à-dire que je ne sais pas si on lui dit que les Camerounais, même déjà de la diaspora, se, se font la guerre et tout. Il dit, ok, d'accord, nous avons. Les élections sont passées, on attend les prochaines échéances et on continue. C'est-à-dire que le leader prend l'apaisement. Mais c'est visible que lui c'est le pouvoir ou rien et c'est ça qui amène des problèmes. Moi j'ai pas eu la chance, les prochains, ça c'est l'apaisement, Donc les gens luttent seulement pour leur pouvoir. Les gens luttent pour leur pouvoir et les naïfs sont là, ils cotisent l'argent, les litis par ici. Mes frères, le changement dépend de, le changement du Cameroun dépend de chaque Camerounais. Chaque Camerounais doit déjà aimer son frère. Mais vous aimez, pas vos, vous aimez vos frères du village. Vous aimez vos frères selon certains critères. Vous n'aimez même pas votre pays. Votre esprit même est pourri, dis donc. Un Camerounais arrive dans un quartier, il construit sa belle maison. Il s'en fout que son voisin. C'est-à-dire que quand vous allez construire, construire dans certaines, certaines zones. Tu construis avec 200 millions, il n'y a pas l'eau dans le quartier, il n'y a pas la lumière, ce n'est pas ton problème. Voilà tout ce qui fait que tu sens que c'est un pays qui, qui n'est même pas prêt d'échanger. Comment est-ce que tu peux arriver dans un quartier, tu mets une grosse maison qui t'a coûté si cher Les gens n'ont pas la lumière, les gens n'ont pas d'électricité. Au, au lieu de penser, au lieu de penser d'abord au bien-être du quartier, c'est-à-dire que les Camerounais ils ne pensent même pas. Au bien-être. Normalement, quand tu veux construire dans un quartier, si tu es quelqu'un qui a beaucoup de moyens, tu conseilles les voisins et tout. Vous essayez de, vous essayez de cause. C'est-à-dire que tu penses d'abord comment est-ce qu'on peut faire pour que la route soit bien, comment est-ce qu'on peut faire pour qu'il y ait des fleurs, pour que le. Aucun Camerounais ne se pose cette question. Chacun arrive là-bas, il construit sa maison, mais rien à foutre. Ce pays ne changera pas. Ce pays ne va pas changer. Votre, C'est-à-dire que vos mentalités ne sont pas les mentalités qui font qu'un pays progresse. Vous croyez que c'est un président qui va venir vous inculquer ça? Salut Pati Vous croyez que c'est un président qui va venir vous dire comment est-ce qu'on vit? Je tiens ici à féliciter euh, 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 Kinge, Eric Kinge. Voilà. Voilà des gens qui essayent d'apporter un plus. Il est maire dans une localité et il demande que les gens qui, qui, qui ont des sociétés dans cette localité payent pour qu il puisse développer sa région. Moi j'encourage ça. Mais Eric King, il faut déjà aussi, euh, surtout les maires là en ce moment, commencer déjà à habituer les Camerounais avec l'adressage. Chaque Camerounais doit savoir qu'il habite une rue qui porte un nom et un numéro. Franchement, nous sommes en 2020 et dans ce pays, les gens continuent à dire que j'habite derrière le bar, les trucs comme ça. Vous, vous croyez que c'est le président Paul Bia qui va venir apprendre ça aux Camerounais on demande à un Camerounais que la présidence du Cameroun est située où Franchement, répondez-moi à cette question. La présidence du Cameroun est située où Dans un pays, les gens doivent déjà apprendre même à ce que l'adressage. J'habite à la rue, euh, par exemple, 24 rue Pati Eba. À quel niveau hein? Les maires, là, les maires, là, vous devez déjà pouvoir, lorsque quelqu'un vient, quelqu vient faire son acte de naissance, une pièce officielle, demandez-lui le nom de la rue habituez les Camerounais au modernisme. Laissez-nous les trucs que j'habite derrière l'église, l'église je ne sais pas quoi, là. Pour qu'une société change, pour qu'une société soit moderne, il faut déjà que les gens puissent savoir où ils habitent. Hein? Vous voulez développer le Cameroun, je veux développer le Cameroun, vous Commencez déjà à, 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 à inculquer ça dans les mairies. Qu'on que, qu puisse, sur les pièces d'entité camerounaises, la police même doit savoir où les gens habitent. C'est trop simple, ça ne coûte rien. Et moi, je dis aux gars de la basse là, les gars, vous êtes des ratés, les gars, vous êtes des vauriens. Vous luttez pour la notoriété. C'est-à-dire que les gars sont sur Internet pour se faire voir. Ils sont sur Internet pour qu'on les voie avec les gros noms, mon frère. Nous, on est sur Internet depuis. On n'était pas là avec un nom d'un parti politique. Nous, on était là pour sensibiliser parce que ce peuple a besoin d'être sensibilisé. Nous participons à notre manière à la sensibilisation. Nous disons aux enfants ce qu'il faut faire le matin quand on se réveille. Les choses que nous avons apprises en Europe, nous les transmettons dans nos directs. Il n'y a pas la haine, il n'y a pas la tribu, il n'y a pas la politique là-dedans. Vous avez eu nous pourri Facebook avec la méchanceté. Vous avez eu nous pourri les réseaux sociaux. On se connectait, on parlait à tous les Camerounais. Aujourd'hui, il y a des gens qui ne me suivent pas parce que je ne suis pas bamileke. Oui, il y a des gens qui ne me suivent pas plus parce que je ne suis pas bamileke. Les gens qui me suivaient avant, qui m'encourageaient, j'étais dans la sensibilisation avant tous ces gens, tous ces gens là. J'étais là avant vous. Vous avez divisé notre pays. Je suis d'une ethnie minoritaire. Et alors? Les gens de chez moi ne connaissent pas le tribalisme. Je suis Mbo. Je suis du Mungo. Les gens de chez moi ne connaissent pas vos bêtises là. Ils ne connaissent pas ça. Bonsoir, Victoria Rossi Vasquez. J'espère que tu vas bien, Victoria. Donc, je vous dis que j'ai honte de voir comment de voir qu'un Camerounais allume son met son téléphone en marche et se met à insulter ses compatriotes. J'ai honte de ces Camerounais-là qui mettent leur téléphone en marche et insultent leurs compatriotes. J'ai honte de voir une femme. La femme, lorsqu'elle est connectée, c'est pour éduquer les gens. La femme donne la vie. La femme est sacrée. La femme est sacrée. Une femme doit faire très attention. La femme donne la vie. Une femme ne peut pas se connecter comme ça et... Dire, manquer de respect aux hommes. Je ne prône pas la soumission de la femme, mais je pense que la femme est bien plus précieuse qu'un diamant et qu'elle qu devrait être très exemplaire. Une femme est un exemple à suivre, parce qu'une femme donne la vie. Moi, j'ai coule des larmes lorsque je vois mes compatriotes, une femme qui fait des directs et qui, qui insulte les gens. C'est le monde qui va en couille. C'est cette éducation que cette femme donne à ses enfants. C'est cette éducation qu'elle pourrait donner à l'humanité. Il y a trop de choses à dire dans les directs. Quand tu fais un direct, quand tu fais un direct, tu as un sujet. Introduction, développement, conclusion. Tu fais ton direct. Ton message passe. Il y a la méthode, il y a la manière, il y a la, il y a le, il y a la gestuelle, il y a des choses pour que les gens te comprennent. Et les Camerounais sont tellement méchants aujourd'hui que quel que soit le bon direct que tu fais, ils ne le partagent pas. Parce que ils ne le partagent pas. Tout simplement parce qu'il ne faut pas que je partage le direct du Camer. Vous êtes arrivé à ce niveau. Combien de personnes sont capables de faire un direct comme moi pendant une, plus d'une heure sans insulter quelqu'un, sans manquer de respect aux gens. Parce que moi, j'ai cette culture. Ma mère, Jacqueline, ne m'a jamais, jamais élevé à insulter les gens. C'est arrivé, c'est arrivé. Oui, c'est arrivé. J'ai eu ces moments de colère. Mais au fond de moi, la plupart du temps, je suis très respectueux. Il faut respecter les gens. Tout ce que tu peux donner à quelqu'un, tout ce que tu es capable de donner à quelqu'un, des gratuit, c'est le respect. À toute personne, tu peux lui donner du respect. Il ne coûte rien d'être respectueux. Il ne coûte rien d'être une bonne personne ça ça ne coûte absolument rien d'être quelqu'un de correct les choses qui coûtent de l'argent c'est difficile de donner à quelqu'un mais tu peux tout simplement être respectueux tu peux déjà commencer à être une personne polie comme d'ailleurs je remercie les personnes qui se sont connectées ici et qui m'ont dit au moins bonjour beaucoup de camerounais c'est quoi supérieur aux autres que dire bonjour à son frère est un problème Michael Jackson était le plus grand chanteur du monde, il est mort. Michael Schumacher qui, qui, qui est le plus grand coureur de Formule 1, aujourd'hui ne peut plus marcher. Il a des millions, il ne sait plus à rien. Donc arrêtez de péter plus que plus, plus arrêtez de péter plus que ce que vous êtes. Vous êtes tout simplement des futurs morts, vous allez mourir demain. Arrêtez de dire aux gens je suis tel, j'ai tel. Tu n'as rien. Tu vas die Tu peux te tu te réveilles tous les matins parce que Dieu veut. Un jour tu ne vas plus te réveiller. La vie est simple. Ça ne va pas arrêter de, de dire aux gens j'ai ma voiture, j'ai ma maison. Les biens matériels. Si tu as même les voitures, il y aura un moment où tu ne pourras plus conduire. Si tu as les, les avions, tu as les maisons au Cameroun. Quand tu es malade là, est-ce que les maisons te guérissent? La culture du matérialisme, là, du, du j'ai 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 là. Mais ça n'apporte rien aux gens. Tu peux tout simplement être poli. Tu peux donner à tout le monde. Voilà quelque chose que tu peux donner à tout le monde. Bonjour. Comment tu vas Au revoir. Les bonnes manières. Ah, c'est rare chez vous, hein? C'est trop rare. Le Camerounais est devenu tellement vantard. Tu vas dans un milieu de Camerounais, certains ne te disent même pas bonjour. Donc, eux, ils croient qu'ils sont déjà, je ne sais pas où. Kobe Bryant est mort. Il a laissé beaucoup de millions. Il a laissé sa femme. Simplifiez la life, les gars. Il y a des femmes là. Toi, tu as même encore ton mari. Il y a des femmes qui ont perdu leur mari. Elles ont dormi avec un homme, il est mort le lendemain. La vie est simple. Mettez-vous dans la peau de certaines personnes qui souffrent pour respecter les gens. Parce que vous ne respectez personne. Le Camerounais est vantard pour rien et la vantardise des 10 francs. Ça ne sert à rien. Celui qui n'a pas les longs yeux vit paisiblement. Celui qui n'a pas les longs yeux. Il n'a pas eu de problème. Je marche avec toi, tu as ta voiture, il est content pour toi. Je suis content pour toi. Je marche avec toi, tu as les millions, je suis content pour toi. Je marche avec toi, tu as l'or du monde, je suis content pour toi. Je suis tranquille parce que dans ma tête, je suis plein. Dans ma tête, je sais que tout ça, c'est l'eau. Quand j'appelle les gens au Cameroun, moi, je leur dis la vérité. Je leur dis que les gars, je suis en beng, mais je souffre. Moi, j'ai toujours dit la vérité aux gens au Cameroun. Il dit que la plupart des gens en euros n'ont même pas 3000 euros dans leur compte. Moi, j'ai dit au Cameroun aux gens que battez-vous. Tu peux au Cameroun, tu t'en sors. Voilà. Il y a les gens en Europe, là, et surtout les gens qui, qui sont là dans les réseaux sociaux. là. Tu demandes 1000 euros, ils n'ont pas d'épargne. Pourtant, au Cameroun, quand tu te débrouilles, beaucoup de gens au Cameroun ont les 10, 15, 20 millions. Au Cameroun, les millions, ça. Ça, c est, c est dans tous les niveaux, tu vois, les gars, tu vas trouver. Si tu as des, bonnes, des, 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 des amis qui sont des bons, tu verras, il tu verras, y en a qui ont 20 millions, 30 millions sur eux. En Europe, là, on comptait les gens en France, là, Camerounais, même les blancs, là. Tu les demandes, tu as, as 1000 euros, ils n'en ont, ont pas. Ils n'ont que des dettes. Lorsque le salaire entre, ils payent les, la maison, ils payent les voitures, ils payent tout ça. Donc, mes chers frères, ce direct était tout simplement pour parler avec vous. Il y a des gens qui disent que j'ai baissé sur mes directs. Ça me fait énormément plaisir d'avoir baissé parce que ça ne sert à rien d'avoir 600 personnes qui te suivent et que tu, tu, tu vas te retrouver. C'est pourquoi les blogueurs se font manipuler parce que si tu, pour vouloir l'audience, tu es obligé de, 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 de saboter les gens pour avoir une audience, tu es obligé d'insulter ou tu es obligé d'appartenir à, à des mouvements politiques. Non. Moi, je préfère être suivi par. Euh, une minorité de personnes qui écoutent ce que j'ai dit. Et très souvent, quand je vois beaucoup de gens ne commentent, quand beaucoup de gens ne commentent pas en direct et qu'ils sont là, c'est parce qu'ils écoutent. Moi, je vais vous dire que je suis entré ces derniers temps, je le redis encore, et parce que j'encourage les gens à le faire. Il faut être cultiver Il n'est jamais trop tard d'apprendre. Moi, je suis entré encore dans mes livres. Je suis n'ai pas fait de longues études, mais j'ai compris que je peux, me, je peux être cultivé tout seul. Voilà, Je n'ai pas eu assez de chance d'apprendre la philosophie à l'école, mais je, je suis en train de la découvrir. J'en je, je, suis, euh, j'en suis, euh, comment je vais dire, ça me, je suis très captivé de la philosophie. J'apprends énormément des philosophes, de Socrate, de Descartes, de tous ces gens. Je lis leurs œuvres et je découvre quelque chose de magnifique que chacun de vous devrait aussi découvrir. Lorsque vous lisez ces gens les, et même euh, Machiavel. Voilà, parce que même les gars de la basse là, s'ils avaient lu Machiavelli, ils devaient comprendre que ça ne sert à rien leur combat, là. Ce n'est pas pour dire que le Cameroun va bien. Voilà. Lorsque vous êtes intelligent, vous combattez autrement. Voilà, vous vous, vous opposez autrement. Un, Quelqu'un qui est intelligent, il n'a pas besoin de s'opposer à Nganou avec les coups de poing. Voilà. Quand tu vas attaquer Nganou, Nganou qui est le champion de, 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 de bourse, quand tu sais que lui, il a la force, tu n'en as pas. Il faut trouver une stratégie. Tu ne peux pas aller faire la force. Tu ne peux pas aller dire à que je vais attaquer... Olga, par exemple, qui va attaquer Ngannou, ça se voit très bien que c'est un amusement. Voilà. Quand tu vas attaquer quelqu'un qui, qui est fort dans un domaine, il faut avoir l'information de ce qui va nous nuire. Il faut avoir l'information, il faut lire. Parce que si Ngannou est fort, c'est parce qu'il s'entraîne, il a entraîné, il suit euh, certaines recommandations. Donc si le gouvernement... Arrive à tenir pendant 38 ans au pouvoir, ce sont des personnes qui sont très cultivées. Ce sont des gens qui savent comment on garde le pouvoir. Oui, ce sont des gens qui savent comment on garde le pouvoir. Et ça, les gars de la base, ils ne savent pas cela. Parce qu'il y a trop d'analphabètes dans la base. Vous n'avez pas besoin d'aller à l'école pour être enseigné. Il faut lire. Si tu sais déjà lire, tu peux toi-même ouvrir un livre de philosophie, tu le lis. Si tu n'as si jamais fait un cours de dissertation, tu vas... C'est ce que je fais. J'ai fait ça tout seul. On ne m'a pas enseigné ces choses, mais j'ai compris qu'il faut que j'élève le niveau. Je ne peux plus être en train de faire des directs à la con. Ou je ne peux même pas, n'est-ce pas, avoir euh, n -ce pas, le moins de bon vocabulaire que quelqu'un pourrait euh, copier. Il faut, faut évoluer. Il faut faire des directs plus intéressants. Le plus les années passent... Il faut innover sur le plan intellectuel. Voilà. Moi, je l'ai dit ce soir, ceux qui ont le pouvoir ont appris à le conserver. Et ceux qui veulent prendre le pouvoir doivent être assez outillés pour prétendre le prendre. Et moi, je vous dis les élections au Cameroun, tant que M. Paul Biella, parce qu'il connaît très bien, Moi, je, parce que j'ai lu des livres, que sûrement, lui aussi. Il, doit avoir euh, euh, lu pour comprendre pourquoi est-ce que les Camerounais votent pour lui. Comment ça se passe, le système. Le système est trop fort. C'est des livres, c'est des Machiavel. Des, on vous explique dans ces livres comment est-ce que on contrôle, on contrôle un pays, comment est-ce qu'on contrôle des gens. Lorsque vous lisez ces livres, vous comprenez pourquoi est-ce que le peuple Camerounais a son leader. Et si Camto ne prend pas le pouvoir, c'est que voilà, la stratégie n'est pas bonne. Et il faut être fair play en politique. Voilà, il ne faut pas prendre le chemin de la violence. Vous voyez même la crise anglophone là. Pourquoi les anglophones ne gagnent pas Parce que le président Paubia, c'est quelqu'un que moi je respecte énormément en politique. C'est un grand politicien. Moi, je peux vous dire qu'il est très fort dans la politique. Parce que les anglophones que vous voyez là, c'est le désordre qu'ils ont fait. <laughs> Si Paul Biya n'était pas fort, moi je vous dis que si M. Paul Biya n'était pas fort, c'est que les anglophones ont séparé, c'est qu'ils ont réussi à séparer le Cameroun. Il est fort politiquement, c'est de la grande politique, mes frères. Je vous dis en tant que quelqu'un qui est cultivé, qui se cultive un autodictate de la philosophie. Voilà. Retenez bien ça. Vous que si le président Paul Bia n'était pas fort, c'est que les anglophones ont réussi parce qu'ils ont tout fait. Ils sont là à l'ONU. C'était de la grande diplomatie. Donc, des, il faut, il faut s'incliner devant la sagesse de, de, de M. Paul Bia pour que parce que ça a été vraiment une guerre. Il s'allait toujours. Et il tient. S'il avait été un seul instant faible, c'est que le Cameroun est divisé. Vous ne pouvez pas le savoir parce que vous êtes des fanatiques. Vous n'allez pas comprendre ce que je vous dis. Il fallait être fort pour que ça ne se passe pas. Vous, vous combattez, le, vous combattez vous, la manière que vous combattez, Paul Biya combat pour conserver le Cameroun, comme il s'est battu pour Bakassi Mais Paul Bia, lui, son combat, c'est pour l'unité du Cameroun. Il tient à l'unité. S'il avait cédé, si le président Paul Biya avait cédé l'histoire là, vous savez comment le Cameroun a fait au niveau de l'ONU pour combattre les les ils sont allés à l'ONU, ils sont allés au Commonwealth, ils sont allés en Angleterre, ils sont allés partout. Vous pouvez savoir ce que le Cameroun a fait pour que ça ne marche pas. Vous pouvez imaginer comment le Cameroun a fait pour rester. Donc vous croyez que Yaoundé est resté comme ça là et Yaoundé est juste resté comme ça, ils n'ont rien fait. Non. Stratégie, mes frères. Moi je respecte énormément le président Paul Biya. Parce qu'il a préservé l'unité du Cameroun. Il faut, il faut être suffisamment haineux pour ne pas le comprendre. Quand vous lisez les livres, vous comprenez pourquoi est-ce que Machiavel s'est mis à rédiger le livre Le Prince, le Prince de Mach Machiavel. Il servait un gouvernement, Machiavel, euh, Machiavel travaillait pour le gouvernement, euh, pour, il servait un gouvernement et il a compris, il a voulu aider le prince, c'est-à-dire qu'il a réfléchi comment est-ce qu'il faut conserver le pouvoir. Donc pour que le Cameroun reste un indivisible, toutes les stratégies ont été travaillées. Il y a un homme devant. <laughs> Pourquoi le Cameroun là, reste resté indivisible C'est des grosses stratégies parce qu'il y a, y, a, y a eu des, 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 des pays occidentaux qui ont voulu appuyer cette division du Cameroun. Mais ça n'a pas marché. Pourquoi ça n'a pas marché Ça n'a pas marché parce que les stratégies mises. C'était aussi une guerre à l'international gagnée par le Cameroun. Par M. Paul Bia, c'est une victoire. Boko Haram, là. Qui était... Le Cameroun était attaqué au nord, là, frère. Mais vous croyez que Poubia s'assoit comme ça là, vous dites qu'il ne travaille pas, vous êtes fou. Celui qui dit que pour lui, ne travaille pas est fou dans sa tête. Sinon, beaucoup à avait l'intention d'envahir le Cameroun, frère. Beaucoup à au nord, devait envahir le Cameroun. Et au nord, ouest, sud, ouest, ce qui devait se passer, c'est la séparation. Donc si le gouvernement de Yaoundé n'était pas assez musclé et fort, c'est qu'aujourd'hui là. Le Cameroun est divisé. Ça a été de la diplomatie, ça a été de la forme. Moi, je vous dis ça en tant que quelqu'un qui a fait ses recherches. On ne m'a pas enseigné la philo, mais j'ai fait mes recherches tout seul. Et j'adore tellement, je kiffe, que je commence à devenir très bon en philosophie. J'ai lu des grands savants. J'ai lis ces gars-là. C'est-à-dire gars que les stratégies que le gouvernement met en place, c'est les stratégies que les gars-là ont mis en place, frère. Le Cameroun devait être aujourd'hui divisé, anglophone, francophone. Yaoundé a travaillé. C'est par haine que vous n'allez pas voir ça. Je m'en fous, ce sont des faits. Si M. Paul Biya avait, avait c'est-à-dire qu'il avait lâché, si Paul, le président Paul Biya avait lâché l'histoire, c'est que les anglophones ont réussi ça parce qu'ils sont allés partout pour le faire, pour diviser. Vous comprenez, hein Voilà. Celui qui a compris a compris. Celui qui n'a pas compris, tant mieux. Celui qui a aimé, voilà. Mais c'est la vérité. Vous comprenez, hein? voilà si yaoundé se laissait faire c'est que le, le yaoundé travaille pour l'unité du Cameroun et c'est pourquoi j'ai dit euh, euh, le fédéralisme monsieur Paul bien ne peut pas lutter vous si vous comprenez alors pourquoi le président Paul Biya n'est pas fédéraliste pourquoi parce que le président Paul bien ne peut pas être en train de lutter pour l'unité du Cameroun. La crise anglophone que vous voyez là, le président Paul Biya ne peut pas lutter pour la crise, ne peut pas lutter pour sauvegarder l'unité du Cameroun avec la crise anglophone et, 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 et venir prôner en même temps le fédéralisme. Le fédéralisme, M. Paul Biya ne peut jamais être fédéraliste parce qu'il s'est battu pour l'unité du Cameroun. Il aurait pu accepter la division. Si M. Paul Biya s'est laissé faire, il acceptait la division du nord-ouest, sud-ouest. Il est laissé comme état. Ce monsieur s'est battu pour l'unité de notre pays et il ne peut pas être, il ne peut pas prôner le fédéralisme. Donc, si les Camerounais espèrent un fédéralisme, c'est mon analyse. Je peux me tromper, hein. je ne suis pas un spécialiste, je suis un autodidacte Je suis quelqu'un qui, qui fait des recherches et qui lit tout seul. Donc, monsieur Paul Biya ne peut pas être celui qui donnera le fédéralisme au Cameroun parce que lui, c'est un. Euh, il est pro-État unitaire et il s'est battu pour ça. Il a fait ses preuves d'ailleurs. Les anglophones sont allés à l'ONU chercher à diviser le Cameroun. Mais les anglophones ont fait une bataille pas possible. Vous, vous croyez que la base fait quoi, là? Même sur le terrain de guerre, si le Cameroun s'est laissé faire, mais c'est qu'on perdait. Les gens qui n'aiment pas euh, le, le Cameroun ne vont pas voir ce que j'ai dit, là. Vous comprenez, hein? Voilà, les gens qui n'aiment pas le Cameroun ne vont pas voir ou écouter ce que je suis en train de raconter, mais je suis sûr de moi que ce que j'ai dit est pertinent et beaucoup de gens n'ont jamais fait cette analyse là. Voilà, ce que j'ai dit là, si monsieur Pobia voulait, il ne voulait pas les problèmes, s'il n'était pas puissant, il devait accepter. Mais j'ai vu des j'ai eu à voir des discours du président de la République où il a dit que on ne débat pas de la forme de l'État. Monsieur Biya dit on ne débat pas de la forme de l'État, il tient à l'unité de ce pays. Et il s'est battu pour que ce pays reste un. Ceux qui sont fédéralistes, c'est vrai qu'il m'est arrivé de souhaiter aussi ça pour le Mongo. Mais euh, le gouvernement, le gouvernement, je veux dire que l'État actuel n'est pas pour une certaine fédération. Elle n'existera pas. Monsieur Pouya ne peut pas. Parce que si, monsieur... Le président de la République était pour le fédéralisme. Pourquoi est-ce que il allait pas l'accepter avec les anglophones Monsieur Pobé ne peut pas avoir refusé aux anglophones le fédéralisme et venir l'accepter plus tard avec tous ceux qui ont tous ces morts. Beaucoup de gens sont morts. Vous comprenez Voilà, il y a beaucoup de gens qui sont morts parce que ils voulaient aussi ce fédéralisme. Et ils voulaient l'imposer à, à l'État. Et voilà, ça a été refusé. Ils sont, et les les ambassadrons ont pris les armes contre le gouvernement. Et vous savez ce qui s'en suit. Donc, euh, um, ça c'est mon analyse. Je n'oblige pas les gens de, de, de le partager. Le direct est là. S'il y a quelqu'un qui souhaite dire quelque chose, voilà. S'il y a des gens qui souhaitent parler, vous demandez la parole, je vous prends. Parce que moi, je vais arrêter ce direct. J'ai des choses. Je vais continuer mes lectures. Je vous invite, vous aussi, à regarder moins de direct des camps et à vous cultiver. Voilà. Avant de faire des directs, il faut être, il faut, il faut lire, il faut être cultivé pour faire des directs. Moi, je ne peux plus faire des directs où je n'ai pas quelque chose à dire aux gens. Voilà. Monsieur Paul Biya est pour l'État unitaire du Cameroun. S'il voulait le fédéralisme, il avait la cétose anglophone. Il a dit l'État du Cameroun. Le, le, il a dit qu'on ne pouvait pas débattre de la forme de l'État. Si quelqu'un dit qu'il aime Monsieur Paul Biya, il ne peut pas parler de fédéralisme. Et Monsieur Paul Bia n'a pas l'intention de blaguer avec ça parce que peut-être qu'on n'avait pas vu des, des, des discours du président Paul Bia sur ces questions-là. Il ne blague. La forme de l'État et son objet. Voilà. Ça a été après beaucoup de discussions, beaucoup de, de débats, de pressions qu'il a accepté le le le, il a le statut spécial. Et quand je parle de statut spécial, je fus un des blogueurs même à le proposer. J'ai je fus un des premiers blogueurs à parler du statut spécial de, de la zone anglophone. Quand je me référais à, au nord de l'Espagne, Bilbao, quand je disais que euh, Bilbao, par exemple, a un statut spécial et tout ça, j'ai parlé de ça avant. Ce sont les idées que nous avons, nous avons émises euh, dans les directs il y a fort longtemps. J'ai parlé de ça, la crise anglophone. Donc, sachez que, gars, moi je suis sur Internet fort longtemps avant ces gars. On n'était pas sur Internet avec une couverture euh, d'un parti politique. Voilà tellement ils sont cons. Quelqu'un qui parle sur les réseaux sociaux n'a pas dit qu'il est du MRC, qu'il est de, des partis politiques. Voilà. Les gens qui parlent, les gens qui, qui doivent parler sur les réseaux sociaux sont des patriotes, des gens qui aiment le Cameroun, ils parlent pour le bien du Cameroun. Ils parlent pour l'unité du Cameroun. Tu ne peux pas être sur les réseaux sociaux en train de gâter le nom du Cameroun en fait. Voilà. Donc quand tu te mets sur les réseaux sociaux c'est pour parler positivement du Cameroun, c'est pour bien vendre le Cameroun. Parce que nos médias du Cameroun ne sont pas assez forts pour vendre le Cameroun. Donc un blogueur, un, un influenceur web doit vendre le Cameroun. Celui qui veut faire la politique, qui veut se plaindre que le Cameroun ne marche pas, il a tout simplement à faire son inscription dans un parti politique pour s'y plaindre. Voilà. Donc celui qui... Euh voilà, celui qui, ne veut pas, celui qui veut dire que Paul Bia fait ceci, Paul Bia fait cela, il peut entrer dans le parti politique. Là, il aura toute la, la, la légitimité de se plaindre du Cameroun. Vous comprenez Voilà, moi, je ne suis pas dans un parti politique. Je ne, si je parle du Cameroun sur mes pages, c'est un bien. Oui, c'est un bien. Le choix à faire, c'est parler positivement du Cameroun. Voilà. Je vous remercie d'avoir pris votre temps. De me suivre, ça me fait énormément plaisir. Si ce direct a, a apporter euh, quelque chose de positif à quelqu'un, voilà. Je suis bloqué sur ma page du camion officiel pendant 32 jours. Voilà, j'ai encore une vingtaine de jours. Pour ceux qui me disent, euh, voilà, Donc, je publie sur cette page, passant par un canal, un autre canal. Voilà, ils m'ont bloqué Facebook. Facebook et ça, est devenu intéressant. Ça, c'est ma page privée. Voilà, les gens que j'accepte, tu sais pas, ce sont des amis et tout ça. C'est ma page privée. Et ce que je vais dire, vous avez le devoir de prôner la paix sur les réseaux sociaux. Ne prenez pas... Mark Zuckerberg n'a pas créé ce truc pour, 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 pour vous servir de, de terrain d'insulte. C'est honteux. Et ne répondez pas aux gens qui vous insultent. Je l'ai dit l'autre jour que si vous voyez quelqu'un, là je suis en train de conclure, parce qu'un direct, c'est l'introduction, c'est le développement et la conclusion. Là je conclue. J'ai introduit mon direct, j'ai développé et je le conclue. Quand vous voyez des gens qui viennent insulter les gens sur Facebook, ce sont des frustrés. Ils ont besoin de la pitié, ils ont besoin d'insulter les gens pour, euh, voilà, pour euh, se traiter, c'est des malades. Quelqu'un qui vient sur Facebook, prend une heure à insulter les gens. Tu es malade, tu ne vas pas bien. Donc, tu as besoin de faire une, théra une, théra une forme de thérapie. Et si vous répondez à un fou, c'est que vous êtes fou. Moi, je ne réponds pas. Voilà. Ces gens doivent se soigner, ils doivent consulter. Je ne peux pas prendre deux heures de mon fucking time à insulter quelqu'un. Voilà. Lorsque je ne suis pas content de quelqu'un, je lui fais des reproches comme j'en fais au petit frère samet qui est au Maroc. Au lieu de se battre, venir en Europe chercher sa vie parce que il ne travaille pas, c'est un chômeur. Il, est, il reçoit de l'argent de la diaspora. Les gens le payent pour insulter les gens. Et derrière les choses, là, il y a toujours compresseur. Là où il y a toujours les conneries compresseur est toujours là derrière. Voyez un peu. Là où il y a toujours quelqu'un qui insulte les gens, il y a toujours compresseur là derrière. C'est honteux. Les années passent. Les gens ont même des enfants. Vous venez même d'avoir les bébés. Vous continuez toujours à faire n'importe quoi. Tu as un bébé à la maison. Vous êtes toujours en train d'encourager les, les, les insultes. Voilà, ceux qui payent, qui payent ce, les, les gens pour insulter les autres, c'est tout, tout simplement euh, 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 pathétique. Quoi. Je remercie ici euh, Luis Ndolo qui a suivi ce direct. Je remercie euh, Victoria Rossi Vasquez, Ange Labelle. Je remercie voilà les gens qui ont, qui ont, qui ont suivi ce direct. Je vais en faire encore parce que là les congés c'est donc euh, y a, on ne travaille pas jusqu'à mercredi, je suis libre. On pourra discuter. Voilà, je crois que j'ai encore beaucoup à donner euh, dans ce truc. Mais officiellement, je vais arrêter d'être blogueur. Là. Je vais arrêter ce truc de blogueur. là. Moi, je vais j'aime trop la musique. Je vais rentrer dans la musique. Voilà, je ne peux pas la sortie de mon single. Je vais rentrer dans la musique. Donc, ça, c'est peut-être les derniers directs que je fais. J'en ferai moins. Je serai beaucoup plus. J'aurai une. Euh, J'aurai très prochainement une vie d'artiste maintenant que de blogueur. Voilà, je ne. C'est tellement ridicule. Hein. Les histoires des blogueurs camerounais là, c'est même plus la peine. Voilà. Les gens veulent seulement se faire voir. Quelqu'un fait une direct il monte sa maison, il monte les trucs et tout et tout et tout. C'est trop ridicule, gars. Voilà, donc. Euh, très prochainement, vous me verrez en tant que chanteur. Je ne peux pas la sortir d'un single. C'est pourquoi je suis euh, à la maison ce soir. C'était prévu que je fasse ce direct et que après, je travaille euh, le son que je vais sortir. Voilà. Donc, je vous souhaite une excellente soirée. Ma marque de vêtements continue. Je suis en train de travailler sur euh, une nouvelle collection. De mes vêtements, je travaille tout seul, c'est compliqué. Je remercie ici les personnes qui soutiennent mon, ma marque de vêtements qui achètent. Voilà. Arrêtons. Ne, ne contribuez plus les litiges sur les réseaux sociaux qui n'ont pas de sens. Voilà. N'encouragez plus les gens à être des paresseux. Si quelqu'un a réellement un problème, vous pouvez contribuer. Si quelqu'un fait un commerce, pour aider la personne. Vous pouvez acheter. Ne donnez plus l'argent des litiges là dans les bêtises. Les litiges, c'est pour aider les gens qui souffrent. Voilà. Moi, j'ai lancé un truc. C'est pour financer les études d'un enfant au Cameroun. Donc, pour parrainer un enfant. Voilà. La personne qui n'a pas d'enfant ou bien qui veut parrainer un enfant au Cameroun me voit. Et. Voilà. Luis dole me demande le site pour les vêtements. Je suis en train de travailler dessus, Luis. C'est que je suis seul. Et. Je suis seul, je suis seul et c'est... Voilà, je travaille. Moi, je, je, je n'ai pas encore ouvert les sites. Je travaille sur tout ça, la collection. Parce que euh, j'ai essayé à un moment de faire confiance aux Camerounais pour travailler avec ma marque de vêtements. Les gars ont voulu me faire des coups bas. Et comme moi, je n'ai confiance à aucun Camerounais, donc je travaille seul. Mais je vais le faire d'ici peu. Voilà. La nouvelle collection sera présentée d'ici euh, quelques temps avec mon nouveau single. Moi, j'aurai une vie d'artiste parce que... Pour moi, c'est un challenge. J'avais commencé à faire la musique, j'ai un peu négligé pour euh, être sur Facebook et tout ça. Mais ça n'apporte rien, l'histoire des blogueurs, là. La musique, tu la fais, si elle est belle, si tu chantes bien, les gens dansent, tout ça, tu peux être invité et gagner de l'argent là-dedans. Être blogueur, ça rapporte pas. Et les gens sont tellement ingrats. Tu fais des directs, les gens, même pour partager, c'est des problèmes et tout ça. Non. Voilà, moi, j'ai envie de. J'ai un don que j'ai pas encore montré aux gens c'est le don de chanter. Et Tout ça, voilà. Lorsque ta musique est bonne, bien chantée, les gens t'invitent, tu es payé, tu es mieux respecté. Voilà, mais les histoires des blogueurs, si voilà, je voudrais ici, euh, ça c'est le commentaire. Salut, j'ai été dans une soirée avec euh, la veuve joyeuse, très belle soirée, et tout ça. C'est très bien passé, elle était très belle habillée. Bon, j'étais content de la rencontrer. Bah, j'ai vu aussi que l'autre était là-bas, Lolo était là-bas. Je me suis demandé est-ce que je la salue ou pas. Mais quand j'ai vu Césaire, je n'ai pas osé. Mais ce que je vais lui dire, c'est qu'il ne faut pas transporter les choses qui se passent sur Facebook avec la réalité. Il y a des gens, beaucoup de gens avec qui on, on, on s'est dit n'importe quoi sur, les, sur Internet, après on se salué. Voilà. Après tout, euh, on est des frères. Voilà, on peut se, on peut, on peut, on peut, euh, se disputer sur les réseaux sociaux, après on s'étend la main. Moi, je n'ai pas de problème à saluer qui que ce soit sur Internet, sur, avec qui je me discute. Parce que, gars, je vous ai dit que pensez toujours à quelque chose que je peux mourir demain. Les problèmes que j'ai avec les gens servent à -dire quoi La mort, c'est-à-dire que juste mettre dans votre tête que je peux mourir, c'est-à-dire que mettre ça dans ta tête que je peux mourir demain. Ne peut pas te pousser à être méchant avec les gens. Il faut toujours être conscient que, gars, je peux daïe. Voilà. Si vous mourrez, vous, vous laissez tout. Si tu meurs là, tu laisses tout. Hein? Donc, les problèmes que tu avais, les gens à gauche, à droite, ne servent à rien. Tes voitures, tes maisons, tout ce que tu montres aux gens là, ça sert à quoi faut que ce Victor est mort là, il est parti avec quoi hein? Il est parti avec quelque chose. Les choses que vous montez, je te dépasse, j'ai la voiture, j'ai la maison. C'est des gamineries. Vous n'allez jamais voir les blancs faire des choses comme ça. C'est toujours les noirs. J'ai la voiture, j'ai la maison. Tu dors là-bas, tu fais ceci. Vous avez quel âge Arrêtez les, les bêtises comme ça, là. Ce que tu as, c'est pour toi. Tu, et tu, me, tu ne pars pas avec. Je vous souhaite une excellente soirée, mes frères. Que Dieu vous bénisse.